Bonsoir, un mercredi sur deux, vous découvrez les stars comme vous ne les avez jamais vues. Grâce à cette oreillette, impossible pour elle d'utiliser la langue de bois. Bienvenue dans Panique dans l'oreillette. Avec nous ce soir, une comédienne qui a marqué les Français à plusieurs reprises dans sa carrière. Elle a incarné notamment l'assistante sociale idéale dans une série qui battait les records d'audience. Il s'agit de Pause Café, qu'on a tous en mémoire. En plus de mettre sa popularité, son regard pétillant et sa douceur au service du cinéma, de la télévision et du théâtre, elle consacre aujourd'hui beaucoup de son temps à un peuple opprimé. Il s'agit des Tibétains qu'elle vient de mettre en valeur dans un magnifique documentaire. Je suis très heureux d'accueillir ce soir la mystérieuse Véronique Jeannot. À ses côtés, un artiste qui a connu une célébrité brutale dès sa naissance. Il faut dire que ses parents sont de véritables légendes vivantes. On dit qu'il est difficile de grandir à l'ombre d'un chêne. Et bien lui a réussi à se faire un prénom. Il est chanteur, mais pas seulement, puisqu'il compose ses chansons. Et sur ses albums, et bien il joue de tous les instruments. Son nouvel album est déjà disque d'or. Mon invité ce soir, David Hallyday. Dans un instant, Véronique et David vont s'installer dans ses fauteuils pour répondre à mes questions. Mais je ne serai pas seul face à eux, puisque certains de leurs proches seront ce soir mes complices. Ils seront cachés là-haut, dans cette bulle, et pourront me souffler leurs questions dans l'oreillette. Ils vont parfois les déstabiliser et nous aider à mieux les cerner. Vous verrez tout, vous entendrez tout, mais pas eux. À la seconde où je vous parle, Véronique Jeannot et David Hallyday sont enfermés dans l'horloge. C'est fait exprès. Ils n'ont ni le son ni l'image. Ils n'entendent pas ce qui se passe ici, ce qui va me permettre, à leur insu, de vous présenter mes complices. Mon premier complice est un ami de jeunesse de David Hallyday. Ado, ils ont fait les 400 coups ensemble. Puis leurs chemins se sont séparés lorsque David est parti aux États-Unis. Ils se sont retrouvés il y a quelques années et depuis, ils ne se quittent plus. Merci d'accueillir Cyril Viguier. David et Cyril travaillent ensemble aujourd'hui. Ils ont tous les deux plein de projets et plein de rêves dans la tête. Vous allez voir. Bonsoir. Ça va bien. Mon deuxième complice a rencontré David Hallyday pour la première fois il y a 35 ans. David était alors un petit garçon. Mon complice était le secrétaire de Sylvie Vartan et à ce titre, il faisait déjà partie de la famille. Quand David était enfant, eh bien, mon complice s'est beaucoup occupé de lui. C'est lui notamment qui lui faisait réciter ses leçons. Merci d'accueillir Hubert Le Forestier de Kia. David, selon Hubert, est depuis tout petit un passionné de musique. Il a toujours écouté de la musique en dormant, figurez-vous, avec le casque sur les oreilles. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Mon troisième complice, c'est David Hallyday, avait tous les deux 16 ans lorsqu'ils se sont rencontrés. À l'époque, ils avaient l'habitude de faire le mur pour aller en discothèque ensemble. 26 ans plus tard, leur amitié est toujours là. Ils ont même le temps aujourd'hui encore de se téléphoner tous les jours jusqu'à 4 h du matin. Merci d'accueillir Jérôme Corcos. Jérôme est l'un des amis de David, c'est lui qui le connaît le mieux, il est prêt à nous révéler. Allez, quelques infos croustillantes sur son copain. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien. Alors c'est ce qu'on appelle des amitiés très très longues les uns et les autres, vous le connaissez par cœur. Nous on a une image de lui comme ça, ce qu'il veut bien nous donner dans les médias et dans les clips et tout. Je sais que vous l'aimez beaucoup, est-ce que vous êtes quand même prêt à ce qu'on se marre un petit peu ce soir ? On va le faire rire, on va le faire rire. Vous allez puis, faire rire ? Et puis le public aussi. C'est super. Allez. Ma première complice et Véronique Jeannot se sont rencontrées il y a 10 ans chez un ami commun, dresseur de chevaux. Elles sont tout de suite devenues amies. C'est leur passion pour les animaux en général et les chevaux en particulier qui les a réunis. Dès qu'elles le peuvent, eh bien, elles aiment se retrouver pour des chevauchées en forêt. Merci d'accueillir Virginie Baird. Dès qu'il y a un animal à sauver, selon Virginie, Véronique est là. Elle adopte tous les animaux orphelins qu'elle trouve sur son chemin. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, ma deuxième complice est très proche de Véronique Jeannot depuis toujours. Des liens très forts les unissent depuis l'enfance. Elles savent qu'en cas de coup dur, elles peuvent compter l'une sur l'autre. Merci d'accueillir la cousine de Véronique Jeannot, Claire Boss. Véronique et Claire, enfants, adoraient se déguiser en princesse. Véronique exigeait toujours d'avoir la plus belle robe. Et bien ce soir, vous verrez comment Claire va prendre sa revanche. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue.
Enfin, mon dernier complice a fait rêver des générations de jeunes filles. Ils avaient tous les deux 16 ans lorsque Véronique et lui se sont rencontrés pour la première fois sur un tournage. C'était le jeune Fabre. Premier tournage pour Véronique, mais aussi premier amour. Merci d'accueillir Mehdi. On se rappelle de lui dans Belle et Sébastien, bien sûr, dans Le Jeune Fabre. Le temps a passé, mais ils sont restés amis, toujours très proches et heureux de se revoir. Bonjour, je suis ravi de vous recevoir. Merci. Vous allez bien ? Est-ce que vous me promettez qu'elle ne sait pas que vous êtes là ? Est-ce qu'elle a essayé de savoir comment vous avez dissimulé les choses ? Non, elle ne sait pas. Je l'ai appelée tout à l'heure, elle ne sait pas, non. Non ? Non. Elle a cherché à savoir, elle vous a appelé pour vous demander ? Non, je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle m'a dit qu'elle avait le trac et je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Et voilà, que je ne savais pas du tout. Trop bonne comédienne. Merci. Elle vous a appelé pour savoir ? Pas du tout. Non ? Elle ne sait aucun rien. Indice. Elle ne sait rien. Non, là aussi ? Pas du tout. Bon, génial. Je vous laisse parce qu'ils vont arriver d'une seconde à l'autre. Vous cachez dans la bulle. Je vous laisse décoter ce soir. Merci à vous. Voilà, à partir de maintenant, mes complices n'ont plus de prénom pour éviter les gaffes. C'est complice numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, etc. D'autres complices vont venir dans l'émission et vont entrer par une porte secrète dans la bulle. Je vous laisse vous installer. Et comme mes invités arrivent, eh bien, mes complices disparaissent. Voilà, Véronique Jeannot vient accompagner ce soir. Je suis prévenue. Déjà, on est à deux. Donc, c'est nettement plus sécurisant pour moi. Et Fred m'a bien dit qu'il ne fallait pas être parano. Donc, voilà, qu'il y avait entre ce qu'on avait vécu et la façon dont les autres pouvaient l'avoir ressenti. Donc, ça va être l'école de la vie ce soir. Voilà, Véronique Jeannot, un sourire. Qu'on adore, une douceur, mais j'en sais beaucoup plus. On a enquêté, vous savez, pendant un mois, plein d'infos. Vous allez la voir autrement après cette émission, je peux vous le dire. Mesdames, messieurs, je vous demande de faire un triomphe à Véronique Jeannot. Bienvenue. Je vous laisse vous installer. Il adore les applaudissements. Peut-être faites les présentations, non ? Véronique, on va passer la soirée avec qui ? Parce qu'on ne se connaît pas encore. Avec Maya. C'est Maya, avec d'accord. Maya. Mon inséparable. Elle est là pour vous protéger ? Pour me protéger, oui, d'une certaine façon. Parce qu'elle est zen. Bon. C'est mon petit Bouddha. Bon, comment ça va ? Ça va très bien. Détendue ? Un petit peu détendue, pas complètement. Contente, mais moyennement détendue. C'est parce qu'avec votre sourire, on ne se rend pas compte, vous voyez ? Oui, bah, c'est un trompe-couillon. Le sourire trompe-couillon de Véronique Jeannot. Bon, vous ne serez pas seul dans cette aventure. Un garçon va vous rejoindre. Il est actuellement avec ses musiciens dans sa loge parce que figurez-vous qu'avant la fin de l'émission, vous pourrez entendre un nouveau titre de son album qui est déjà disque d'or. Je le disais en préparant l'émission tout à l'heure. Attention. Depuis très longtemps, il s'est fait un prénom puisqu'il n'est pas seulement interprète. Il est musicien, quelque chose qui m'impressionne. Il joue sur ses albums, figurez-vous, il joue tous les instruments. Voilà. Donc, on a une image de lui, effectivement, un petit peu d'un garçon sage. C'est comme ça qu'on le voit, non ? Plutôt, moi j'aime beaucoup. À partir de... Ah, vous l'aimez beaucoup. Bon, écoutez, vous dites ça parce que vous savez qu'il nous entend à partir de maintenant. Hein. Ah bon ? Alors, je n'ai rien dit. Je pense qu'il est dans le couloir, qu'il nous attend. Là aussi, j'ai du mal à savoir s'il est détendu ou pas. Je ne me rends pas compte. Mais non, il ne peut pas être complètement détendu, c'est pas possible. On va voir dans un instant. Bon, en tout cas, il va rentrer dans l'arène sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. David Hallyday. Comment ça va ? Ben nickel. C'est nickel. Quand vous asseyant ce truc de... Ah. Ils sont où ? Ils sont où ? Bon, en vrai, comment ça va ? Ben, nickel. C'est pas un lapsus.
Je sais pas ce que vous alliez dire, mais... Non, j'allais dire Nibar, je sais pas pourquoi, j'ai voilà. Nickel. En démarrant l'émission, comme pas ça. Pourquoi, dites pourquoi. Ce qui vous passe par la tête, soyez spontané. Non, ouais, non, bah écoute. Bon, je sais pas si vous connaissez, mais elle nous a dit qu'elle vous adorait. Un petit peu. Oui, on se connaît un petit peu. Et David est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, pour plein de raisons. Pour son talent, puis pour des, voilà, des parcours c'est un petit peu communs. C'est pas lui qui vous failloter ce soir, c'est moi. Hein. Pardon, oui, d'accord. C'est moi qui ai plein d'infos sur vous. Bon, vous êtes détendus, on se rend pas compte, hein, parce que vous avez tous les deux un sourire comme ça. Et vous avez tous les deux une image très sage, vous savez ou pas? Bah, tu sais, il faut se méfier des gens qui ont l'air un peu sages, tu sais bien. Se méfier de l'eau qui dort. Voilà, moi j'ai tout très doux, très souriant. Ouais. J'ai plein d'infos, je sais que vous avez plein de points communs. Vas-y. Alors moi ce que je vous propose, c'est qu'on va demander à mes complices d'apparaître pour les téléspectateurs et pour le public. Parce que le cas va se baisser, et voilà, moi je les vois. Vous confirmez qu'en vous retournant, vous ne les voyez pas. Vous rassurez les téléspectateurs. Je suis tenté pourtant. Mais... Non, vous ne les voyez pas. Et le public va mettre un casque tout de suite. Bon, vous n'êtes pas obligé. Hein. Je vais demander à mes complices comme ça de faire un petit essai pour vérifier qu'on entend bien les questions, les réflexions. Oui, moi je voudrais connaître le sens du mot Nibar qu'il a prononcé au départ. Il y a quelque chose qui commence à me perturber, l'émission n'a pas démarré. Et il faut vraiment qu'on éclaircisse ça, Frédéric. Je sens qu'on va enquêter. Non mais il faut que tu enquêtes tout de suite. Là. Hein okay. Hein bon, ça va la sensation, vous racontez-nous. Putain, ça va chier après. Tu n'imagines même pas comment. Alors allez-y, complice numéro 3. Il y a beaucoup de jeunes filles dans le public. J'ai l'impression qu'elles voudraient savoir si David donne des cours de piano ou des cours de batterie à domicile. Wow. Comment vous savez qu'on parle de vous? Tu sais que j'ai une très bonne oreille. Ouais. Comment? Complice suivant. Moi, je voudrais savoir si Véronique a une petite aventure avec Georges Clooney, rapport à Pause Café, bien sûr. Ça, c'est votre tour, moi. Là, vous l'avez pris pour vous. Ça, à mon avis, ça va être pour moi, celle-là. J'ai des potes. J'ai des potes assez sympathiques, donc à mon avis, celle-là, je... On a l'entourage qu'on mérite, vous le savez. C'est exact. Merci, en tout cas, ça passe super bien, vous entendez tout? Oui. Vous savez, vous êtes bien installé. Vous avez compris un peu le ton de la soirée? Ah bah oui, carrément, ouais. Okay. Mais c'est pendant 3 heures, c'est comme ça? Exactement. D'accord. Ah bah il fait chaud, il fait 40 degrés là, on est... Ouais. Non, bon, c'est la trouille. Exactement, il refuse. On vient de me dire compris. Pas du tout, c'est la trouille. Il a enfin compris. Vous venez maintenant de comprendre dans quelle histoire vous êtes. Ouais, alors, d'accord. Non, mais comme je vous remercie de votre confiance, je voudrais parler de quelque chose que j'adore. En ce moment, je l'écoute en boucle à la maison. Je dis pas ça à tous les invités, croyez-moi, et le public le sait. Le nouvel album de David Hallyday, Un Nouveau Monde. Je fais pas de comparaison, j'en ai fait en coulisses comme ça, mais ça donne la pêche. On parle des mélodies, bien sûr, le son, les paroles en français, tout ça. Et puis, ça fait planer un peu. Mais j'avais rien pris, je vous assure. Hein. D'accord. Donc, on va parler de cet album dans un instant. On va écouter ce titre qui plaît beaucoup déjà. Voilà, dans un clip comme ça, dans lequel vous chantez avec Laura Smet, votre sœur. Regardez. On se fait peur, main dans la main. Nouveau Monde. C'est vrai que le public n'imagine pas ce que ça représente pour un artiste qui a eu déjà plein de succès de ressortir un nouvel album. Parce que beaucoup de gens pourraient se dire, oh ben ça va, le mec, il a déjà cartonné, il a fait plein de choses et tout. Il peut aller faire autre chose. Non, 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 mais il pourrait se dire, bon, est-ce que c'est si important que ça pour vous aujourd'hui? Mais en fait, on attaque un nouvel album à chaque fois comme une autre expérience de vie. Des choses se sont passées entre les deux. Des choses qu'on a envie de raconter, des choses différentes du précédent. On essaie de voir un petit peu, d'essayer de faire évoluer un petit peu la musique tout en gardant son caractère et sa touche personnelle. Donc c'est un petit peu angoissant, mais en même temps, je commence à écrire comme j'écris un petit peu tout le temps. J'ai pas cette angoisse de commencer à écrire comme peut-être un écrivain ou un auteur qui va se dire... Pas l'angoisse de la page blanche. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai pas de... J'ai angoisse pas trop de la nuit blanche. Sortir des choses. On me dit angoisse, bon, de la nuit, gueule, angoisse de la nuit blanche. On va forcément, à un moment donné, parce qu'on parle du parcours de mes invités, parler de vos parents, puisque forcément on raconte l'histoire des invités. Sauf que ses parents sont interprètes, on les adore, mais lui, non seulement il interprète, mais il est compositeur. Et alors, truc de dingue, c'est que là, on a entendu plein d'instruments dans ce qu'on vient d'entendre. C'est vous qui jouez de tous les instruments.
En partie, ouais. Ouais. Mais en fait, je fais ça depuis que je suis petit. J'ai tous les jouets dans ma chambre, donc j'ai eu le temps de tester. J'ai eu 15 ans, 17 ans pour tester et pour apprendre. Effectivement, donc ça, c'est un truc qui m'impressionne vraiment. Et puis, il y a Grand Corps Malade qui a fait des paroles aussi. Oui, aussi, ouais. Il a fait deux textes. Vous êtes déjà soulagé de savoir qu'il est déjà disque d'or quand même, non? Ah ben, disons que dans le contexte musical aujourd'hui, c'est sûr qu'on est content quand on ça se... On n'est pas loin de l'exploit. C'est toujours sympa. Tout à l'heure dans l'émission, pour notre plaisir en chair et en os, vous viendrez nous chanter un titre avec vos musiciens. Ouais. D'accord, ouais. Ce sera Le Cœur qui boite. Et puis je voudrais dire que vous faites quand même, je ne savais pas moi, la clôture de l'exposition universelle à Shanghai, c'est vous qui allez chanter. Ouais. Donc ça c'est incroyable. Dans toute la France, on tourne à partir du mois de novembre. Non, et puis le 14 décembre à l'Olympia. Exact. Donc ça va, donc bon, beaucoup de projets. En tout cas, il faut dire qu'il va chanter devant 150 000 personnes à Shanghai. 150 000 personnes à Shanghai, me dit-on, histoire de vous faire flipper. Alors Véronique, on va parler de votre parcours, votre travail de comédienne, les relations que vous avez avec le public, là aussi, très très forte et tout ça. Et quelque chose qui vous tient à cœur depuis très très longtemps. Et moi, j'ai vu ce documentaire, j'ai envie de dire presque en exclusivité planétaire. J'exagère un petit peu, mais les gens pourront le voir. Ça s'appelle Dakinis, le féminin de la sagesse. Mm-hmm. Et vous avez interrogé des femmes sur à la fois le bouddhisme, sur à la fois le sort des Tibétains et sur la place des femmes dans cette philosophie. La place des femmes dans le bouddhisme, on n'en parle pas, on parle toujours des hommes, des maîtres. Et en fait, il y a énormément de nonnes et il y a des femmes surtout qui sont à des postes clés, je dirais, dans le gouvernement en exil, comme par exemple Jetsum Pema, qui est la sœur du Dalai Lama, qui s'occupe de l'éducation des enfants depuis plus de 40 ans et qui fait un travail extraordinaire. J'ai visité les villages d'enfants tibétains, ce sont des écoles modèles dont on pourrait vraiment s'inspirer ici. Alors, on va parler de la place du bouddhisme dans votre existence, on va s'apercevoir que ce n'est pas une mode passagère, c'est une chose très très profonde. Mais ceux qui ont vu ce documentaire disent, alors je pense à Télérama, on sait que ce n'est pas les plus tendres, hein, on se laisse contre toute attente, ça c'est des préjugés, on se laisse contre toute attente, happé au cœur d'un univers méconnu. VSD dit un documentaire zen, militant et touchant, et Planète, un travail d'orfèvre. Donc c'est vous qui l'avez fait, ça s'appelle Dakinis, et on pourra le retrouver donc, dans les bacs à partir de l'après l'été. À partir de septembre. Voilà. Voilà. Il sera déjà en vente en fait, par correspondance à partir de juin. Voilà. Donc sur votre site véroniquejeannot.com. Sur véroniquejeannot.com. Voilà, on voit un tout petit extrait. Chez toutes ces femmes que j'ai rencontrées, je n'ai jamais ressenti d'aigreur, seule une incroyable force. La vie les a menées sur le chemin de la compassion, qu'elles suivent avec une foi inébranlable. Toutes bouddhistes vivent selon les enseignements de cette philosophie ou de cette religion, comme vous choisirez de l'appeler. Toutes, qu'elles soient d'Orient ou d'Occident, pour des raisons multiples, considèrent que leur vie est un privilège. Elles incarnent toutes, à des degrés différents, le principe d'Akini. De la rencontre de ces femmes, il me reste un souvenir inoubliable au fond du cœur, comme un cadeau de la vie. Dakini, le féminin de la sagesse. Et donc, je vous rappelle pour ceux qui n'ont jamais, vous ne vous êtes pas contenté de poser votre douce voix, mais vous avez tout écrit, tout réalisé. C'est plusieurs années de votre existence qui sont là-dedans. Ah oui, c'est vraiment plusieurs années. Parce qu'il y a eu le temps de prendre le recul aussi pour être sûr de garder l'axe. Parce que quand on a 48 heures de rush, qu'il faut faire 52 minutes, et que je dirais sur 48, il y en a 42 dont on ne sait pas quoi enlever. 42 heures. Oui, vraiment, qui était juste magnifique. Et le bonheur que j'ai en sortant ce DVD, c'est justement d'avoir pu mettre des bonus qui sont, à mon avis, des perles. Il y a un enseignement de Sogyal Rinpoche, il y a une interview de Dominique Marshall qui est d'une clarté et d'une puissance, c'est énorme. Une interview de Jetsun Pema et les coulisses du tournage aussi qui sont patriotes. Et puis, encore une fois, une partie des bénéfices sera versée à une association que vous avez créée il y a quelques années, dont on parlera plus tard, qui s'appelle Graines d'Avenir, dont on voit les coordonnées s'afficher, on va les redonner dans l'émission. Et là aussi, une association qui fait de très très belles choses. Mais on se demande pourquoi c'est dans votre vie aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêts? L'année d'autre ou pas? Donc c'était le moment de récréer là. C'était le moment là, sympathique. C'est terminé maintenant. Voilà, maintenant ça rigole plus. C'est parti. Allons-y. C'est parti. Tout le monde croit que c'est une actrice glamour. En fait, c'est une vraie bûcheronne. Ça va pas être. Peut-être pour toi, non? À mon avis, ouais. Elle grimpe aux arbres pour les tailler. Elle passe des heures à nettoyer des rivières. On me bien, dit. Bien. C'est voilà. Arrêtez de me faire peur, j'ai toujours peur qu'il entende tout. Donc on me dit, bon, attention, ne vous laissez pas avoir, elle a l'air comme ça avec son sourire très glamour. En fait, c'est une bûcheronne.
À votre avis, pourquoi on me dit ça? En fait, c'est une bûcheronne. Ouais. Il dit elle grimpe aux arbres pour les tailler. Ah oui, oui, ça c'est vrai. Ah, vous confirmez? Oui, je confirme. Oui. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est tout simplement que j'ai une grande campagne et que tout d'un coup, je me dis ça, il faut couper, ça, il faut couper, ouais. Ça, il faut couper. Et que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. D'accord. Donc quand apprendre, il faut apprendre. Puis voilà. Et moi, j'adore la nature. Elle impressionne même son jardinier. J'aime ce contact avec les arbres. Qu'est-ce qui se passe? On me confirme que votre jardinier est très impressionné par votre travail. Il paraît que vous y allez, quoi, je veux dire. Vous... Ah oui, oui. J'ai par principe de demander aux autres ce que je suis capable de faire. Comme ça, je sais ce que je demande. D'autres infos sur Véronique? Elle est folle. Ça, c'est une info. Elle est folle d'animaux. Parce qu'on m'a dit, elle est folle. Elle est folle. Mais on a précisé, elle est folle d'animaux. Ah oui. Elle peut risquer sa vie pour un animal. Mm-hmm. Mais par exemple. Bah, elle pourrait faire arrêter une voiture pour sauver un hérisson. Mm-hmm. Donc on me dit, quand il y a un hérisson qui traverse la route, vous n'hésitez pas à piler. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Pour le faire traverser. Je le fais traverser parce que sinon il n'a pas de chance avec la voiture qui arrive derrière. Un jour il est arrivé chez moi avec un foulard autour du cou. Ouais. Et au bout d'une heure, elle me parlait, elle me racontait des histoires. Au bout d'une heure, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui bougeait dans le foulard. Et c'était, elle m'a montré ce que c'était, c'était un bébé pigeon qu'elle réchauffait dans son cou. Bon, on m'a prévenu qu'il fallait pas être parano, non. Donc je ne vais pas commencer à stresser. C'est une info, il se demande ce que ça peut être. Mais en fait, un jour, elle se promenait comme ça avec un foulard. C'est banal, sauf qu'il y avait un truc qui bougeait l'intérieur. Au bout d'une heure, les gens se sont rendus compte qu'elle avait un pigeon à l'intérieur du foulard. C'est pas une blague. Oui. Mais non, mais j'ai des pigeons qui ont fait deux bébés sur mon balcon. Ouais. Depuis, ils en ont fait huit. Ouais. Depuis, je ne sais plus comment débarrasser des pigeons. Mais parce que j'ai nourri les pigeons. Ouais, donc, voilà. Oui, et apparemment, la femelle a abandonné ses petits. Il y avait forcément une raison, mais je ne pouvais pas. Voilà, donc je l'ai récupéré. Pendant 5 jours, je l'ai porté dans un... Je lui ai fait un petit nid dans un foulard et avec des plumes, j'avais vidé un oreiller pour lui faire un nid et j'ai gardé le petit pigeon au chaud contre mon cou. Pendant une journée entière. Mais j'ai une amie qui à un moment, je lui ai dit, regarde ce que j'ai. Et j'ai pas prévenu, j'ai fait ça en lui montrant. Elle a cru qu'on m'avait fait une trachéotomie ou je ne sais pas quoi. Il y avait un truc rose absolument immonde. C'est très laid, oui, un bébé pigeon. Il n'y a rien de plus laid quand même qu'un bébé pigeon. Elle a même fait du magnétisme pour essayer de sauver le pigeon. Donc quand on nous dit elle est folle, maintenant on comprend mieux. Oui, voilà. Ah, oui, effectivement, vu l'extérieur. On me dit que vous avez fait quand même pour le sauver, vous avez fait du magnétisme. Oui, et ben exactement. Et ben je me suis rendu compte que j'ai ramené un oiseau comme ça qui était ben parce que on a une force dans les mains. Mm-hmm. La concentration, c'est quelque chose, le magnétisme, on en a tous, et il faut apprendre à s'en servir. Donc c'est vrai que j'ai ramené un oiseau comme ça à la vie. Mais le magnétisme, il faudra qu'elle s'en serve pour Maya parce que Maya est dans le coma là. On me dit, c'est beau, vous servir du magnétisme pour Maya parce qu'elle est dans le coma. Et elle a aidé un bébé alligator à sortir de sa coquille et c'était le seul à ne pas la pincer. Je vois que vous avez à côté de vous, a fait naître des alligators. Oui. Hein? Alors c'était très marrant, c'est quand je tournais en Louisiane, il y avait une ferme où évidemment les alligators n'avaient pas beaucoup d'espérance de vie que celle d'atteindre la taille qui leur permettrait de devenir un sac ou des chaussures éventuellement. Bon. Mais j'étais très intéressée. Il y avait ils amenaient des caisses comme ça. Alors il y avait des œufs. Alors on entendait aou, 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 aou. Et en fait, c'était le cri des bébés alligators. Et alors les fermiers, ils les ouvraient comme ça. Puis ils poussaient et le petit alligator naissait. Il était à peine descendu que il était tout de suite prêt à mordre. Et en fait, moi j'ai pris le temps d'enlever l'œuf doucement. Et de l'ouvrir et de le faire naître tout doucement. Et il est resté dans ma main, mais sans aucun signe d'agressivité. Comme quoi, même un bébé alligator. Ça n'a pas un grand intérêt. Et moi, j'étais très heureuse de faire naître ce bébé alligator. C'est pas banal, je peux vous dire. Ça n'aura pas rallongé sa vie, mais voilà, la sortie aurait été moins brutale. Frédéric, la grande différence entre tes deux invités, c'est qu'il y en a une qui apprivoise les alligators et l'autre qui est au milieu des alligators en ce moment. Maya est comme une sœur pour elle. Elle l'a trouvée dans la rue à Miami. Elle était en train de faire les poubelles et elle l'a récupérée. C'est tienne ? Maya, oui. Mais oui, on me dit que vous l'avez rencontrée. Je l'ai ramenée d'un tournage à Miami. C'était une chienne des rues qui était complètement pelée et tout. Et pendant un mois et demi, je l'ai gardée. J'ai fait vacciner, machin et tout. Et puis je n'ai pas pu la laisser là-bas. Donc je l'ai ramenée. Et c'est mon bonheur, mon petit soleil depuis 10 ans maintenant. Okay. Même plus, presque. Dernièrement, elle est allée faire une balade à son cheval. Ouais.
Et au bout d'une heure, quand elle a rentré dans son box, elle s'est rendue compte que ce n'était pas le sien. Oh, devant le regard, je me dis, qu'est-ce qui va... Ah, ça, okay, c'était mon cheval. Ça, c'est mon cheval. C'était, oui, c'était le... Vous êtes sûr ou pas? Je sais pourquoi. Oui, je sais, je suis sûre que c'était mon cheval. Parce qu'elle adore les animaux. J'avais remarqué. Elle a fait juste une balade avec son cheval. Et au bout d'une heure, non, donc, c'était pas son cheval. Non, j'étais pas dessus. En fait, je suis arrivée ce jour-là extrêmement énervée, pour plein de raisons. Et je suis arrivée, effectivement, là où il est en pension. Et j'étais tellement énervée. Là-dessus, j'ai une copine qui est arrivée, qui a commencé à me parler. Et je lui dis, attends, je sais même pas où est mon cheval. Attends, ça doit être celui-là. Elle me dit, oh, oui, c'est celui-là, je reconnais son dos. Comme elle est kiné pour chevaux, du coup, j'ai plus émis le moindre doute. J'ai mis le Nikon et je suis sortie le poney. J'étais hyper... pressée et je suis partie le balader pendant une demi-heure à pied. Je trouvais bien un petit peu plus stressée que d'habitude, mais je l'ai rentré. Et en arrivant en fait en rentrant au box, on m'a dit mais qu'est-ce que tu fais avec? Je crois que c'était Ilius ou je ne sais plus quoi. Je lui dis pourquoi? Parce que c'est pas ton cheval que t'as promené pendant une demi-heure. Donc voilà, même robe, mais c'était pas le mien. Quand on était enfant avec Véronique, on jouait à la poupée. Et normalement, moi je mettais la poupée dans le landau. Et Véronique mettait son petit chat dans le landau et elle le promenait. On commence à écorner un peu l'image. On me dit, finalement, c'est peut-être une histoire de rédemption, cette histoire d'animaux, parce que vous leur avez fait des trucs aux animaux quand vous étiez petite, quand même. Ah oui, j'ai coupé des sangsues en morceaux. Ouais. Mais hormis ça, j'ai pas dû leur faire beaucoup de mal. J'ai l'amour des animaux depuis. Vous jouiez à la poupée avec les chats, vous déguisiez en poupée. Ah oui, mais ça, j'ai tout fait. J'avais des chats siamois qui étaient absolument extraordinaires. J'ai une passion pour ces chats et je leur faisais faire de tout. Parce que voilà, il s'appelait Floki, lui. C'est le seul blanc, en fait. C'est pas un petit siamois, lui. Alors, il est tout bébé. Et je leur faisais faire de tout. J'habillais en poupée, je leur faisais faire de la balançoire, de la luge tirée par le chien. Enfin, et les oiseaux, est-ce qu'elle les piégeait avec un panier à salade? Comment vous attrapiez les oiseaux? Les oiseaux, je me souviens, c'était avec la jeune femme qui s'occupait de la maison. On avait un attirail, c'est-à-dire qu'il y avait un panier à salade. Vous aviez fabriqué avec un le piège. Avec un petit truc en bois, un fil qu'on mettait autour. Et puis en fait, on mettait des graines sous le panier. Ouais. Et puis dès que l'oiseau était en dessous, on tirait, on attrapait l'oiseau, qu'on lâchait tout de suite après. D'accord. C'était très amusant. Moi, j'aime beaucoup cette photo. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a dans le cercle rouge? Des hamsters. Ah là là, les hamsters. Ah, ça a été un grand moment de ma vie, les hamsters. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il y a eu plein de déboires avec les hamsters. Ouais. Il y en a un qui s'est fait manger par le chat. J'ai reconnu que c'était l'hamster avec juste le petit bout de queue en forme de granerie. Il y en a, et les hamsters grillés à cause du soleil qui était trop puissant. Un autre qui a fait son nid dans le canapé. Le public est choqué. Il y a quand même des hamsters qui se sont fait griller à cause du soleil. Ah ouais, voilà. Je les ai mis à l'ombre et puis malheureusement, le soleil a tourné. Et c'est bien ta prescription. Non, mais c'est horrible. C'est horrible. Je les adorais, les hamsters. Je les ai retrouvés, mais plats comme des crêpes, quoi. On comprend mieux maintenant, sans faire de psychanalyse de supermarché, pourquoi vous êtes à fond avec les animaux. Il y a des trucs à vous faire pardonner, quand même. Hein. Elle imite super bien les animaux. On me dit, elle imite super bien les animaux, par exemple. Ah non. Le chat, ça donne quoi? Le chat en colère. Il y a... C'est bien, dis donc. Hein, on sent la promiscuité. Chat qui ronronne, c'est... Nous, on aurait fait mieux. Et le chien, c'est... Bien. Impressionné, hein? Alors là, je ne sais pas... Je ne connais pas le cri du lapin, mais vous paraît que vous faites le lapin. Et le singe aussi, le singe. Le lapin, ça donne quoi? Le lapin, ça ne... Je passe où je pars. Oh, je ne vais pas avoir l'air con. Bon. Le lapin, ça bouge la... Allez-y. On voit pas que je ris pour faire le lapin. Le lapin, il fait ça. Et on me dit, pour terminer, le singe. Oh, le singe. Oh, ils sont durs. Quel est l'animal là-haut qui est en train de me dire que je sais faire le singe? Le singe normal ou le singe en rut? Ah, je sais pas, là-haut. Je pense qu'on est pour le singe en rut. Oui, je pense qu'on va faire ça. Mais... Évidemment, maintenant, David, décontracté, la même chose. Se met
On observe le langage du corps, donc il croise ses bras, il se met en retrait dans son non, siège. Non, mais parce qu'on on peut continuer. Hein, voilà. Alors, des petites infos, parce que c'est vrai qu'on a une image comme ça de David. Ouais. Hein, on en voudrait une plus complexe, un peu. Je pense que David a une particularité qui est issue de ses 35 ans de vie aux États-Unis, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas ce qu'il paraît. Vraiment toujours. Les Américains ont cette capacité à être ultra sympathiques du premier abord, toujours d'humeur égale, bon. Grand sourire. En fait, il n'est pas comme ça au fond du tout. Ah, parce que c'est automatique. Dès que tu te lèves, dès que vous levez, il y a un détecteur. Truc, y a des... Ah ouais, ça marche bien. Vous avez, comment dire, parce qu'on me dit, il n'est pas ce qu'il paraît. C'est comme les Américains, parce que les Américains, ils ont comme ça extrêmement de bonne humeur, mais en fait, ils sont plus complexes, comme tout être humain. Ouais. Il y a quelqu'un que vous avez traumatisé qui voulait témoigner. C'est une communication qui vient. Communication il a dû qui le vient des États-Unis. C'est votre petit cousin, regardez. Ah. David, quand tu avais 5 ans, merde. Et donc je devais avoir à peu près 3 ans, tu m'as forcé de faire quelque chose qui n'était vraiment pas gentil. Je te donne un indice. C'est vrai en plus. La moto. Alors, je voudrais juste rappeler aux téléspectateurs, je remercie Mickaël. C'est vrai que Mickaël Vartan est son cousin depuis petit. On va comprendre que vous connaissez depuis très très longtemps. Oui. Et donc c'est une star aujourd'hui. On l'a vu dans plein de films, aux côtés de Madonna, Jennifer Garner, Drew Barrymore, Gwyneth Paltrow. Et ce garçon, vous l'avez traumatisé à cause d'une moto. Vous savez pourquoi? Ça, c'était gentil encore. Ne vous inquiétez pas, on en a plein. Allez-y. Ah, parfait. La moto. Non, mais mon cousin n'est pas du tout casse-cou. Donc, à l'inverse de moi, donc, je me faisais une joie, étant donné que je le savais. Surtout, je profitais du fait que, quand il y avait des invités, je le mettais au pied du mur, justement, devant les gens, parce qu'il ne montait pas, sinon. Donc, comme c'était quelqu'un, et c'est quelqu'un de très courageux quand même, il se forçait à y aller. Et je le mettais derrière moi, et puis je confectionnais des tremplins avec des planches de bois et tout, et je le faisais, je sautais sur des tremplins, il était derrière comme ça et tout, et donc je pense que ça l'a traumatisé. Il a un souvenir plus précis, regardez. Ah, j'étais sûr que t'allais... Ah, si tu te souviens pas, tu m'as demandé à l'âge de 3 ans, ton petit cousin de 3 ans, innocent comme tout, de s'allonger juste en dessous de ton tremplin, une espèce de planche pourrie et un bout de bois complètement, complètement pourri, pour que tu puisses sauter au-dessus de moi avec ta moto. Tu te souviens de ça? Ah ouais, je me souviens. Ouais. Et à ce jour, j'ai une trouille de la moto à cause de toi. Génial. Voilà, Mickaël Vartan, qui est toujours à Los Angeles, mais qui voulait témoigner ce soir. Non, parce que vous, dans votre anecdote, vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans l'émission, c'est que dans son anecdote à lui, il était derrière. En fait, dans l'anecdote de Mickaël, il était dessous. Ouais, c'est vrai que je l'avais le placé, mais c'était très amusant finalement. Bah oui. De votre point de vue. Et c'est vrai, le pauvre. Mais il y a un bon Dieu pour les innocents. Mais il est très courageux. Mickaël avait une autre anecdote qui permet de voir un peu qui vous étiez enfant. C'est la question qu'on se pose. Ouais, ouais, regardez. David, j'ai maintenant une peur incroyable de marcher le soir dans une forêt ou dans les bois. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Alors, non, écoute, non. Là, pour de vrai, c'est un fantôme ou quelque chose comme ça. Non, mais c'est ça qui est génial dans la vie. Ils ont vécu le même événement. Pour lui, c'était pas important. Non, c'est peut-être pas. Je vais peut-être révéler autre chose. C'est le principe de l'émission. Mais c'est vrai que donc nous étions à la campagne et nous avions une maison dans l'Oise, enfin dans le Vexin, pas loin. Et nous amusions à sortir à 4h, 5h du matin parce que notre grand-mère se levait très tôt donc pour faire la cuisine, elle fumait sa cigarette et on s'est dit on va faire un truc sympa, on va se déguiser en soldat, on va l'espionner dehors. Ça peut paraître très très bête comme ça, mais à l'âge qu'on avait, c'était très rigolo finalement. Donc lui avait une peur bleue de sortir la nuit dans le noir, dans les bois, parce qu'on était entouré de forêts. Et donc ça m'amusait doublement. Voilà, alors je jouais le grand frère, mais non, viens, ça va aller. Moi, je les avais comme ça aussi. Donc c'était, c'est peut-être autre chose. Hein. C'est à peu près ça, mais là aussi, c'est plus précis. Écoutez. D'accord. La grande vadrouille, si tu te souviens bien, on a regardé ce film, je sais pas, deux ou trois fois par semaine pendant l'été entier, et ça nous a un peu branché sur le sujet de la Deuxième Guerre mondiale, et on faisait nos petites sorties à 3-4 heures du matin. Ah, tu vois, Et bon, on s'habillait avec des kaki, machin, on trouvait n'importe quoi qui ressemblait un peu à un uniforme militaire. Et puis bon, ce qu'on faisait, on se levait, on allait dans la forêt, et puis on se séparait, et puis on se donnait un rendez-vous, et puis voilà. On fait ça 3, 4, 5 nuits d'affilée, et la sixième nuit, David décide de pas se séparer et il m'a suivi, ce salaud, et il s'est planqué derrière un arbre. Et quand je suis arrivé à côté de l'arbre,
Il m'a sauté dessus avec un cri horrible et je suis parti en courant. J'ai une peur, mais comme jamais je n'ai eu de ma vie. Je crois que c'est la première et la dernière fois d'ailleurs que j'ai pissé dans mon froc. Et voilà, c'est pour ça que maintenant j'ai une phobie, mais intense, de marcher dans une forêt. Bon. Il a peur des motos et des forêts maintenant. À cause de qui ? Rappelez à David la séance de photos aux Seychelles avec une prise de photo pour sa mère. Oui, on me dit, bon, toujours pareil dans le côté gaffe et bourre, parce qu'encore une fois, ça se voit pas quand on vous regarde. Hein. On me dit, est-ce que ça lui dit quelque chose quand il était adolescent et qu'il est parti aux Seychelles pour une séance de photos avec Sylvie Vartan ? Et là, vous avez fait une bonne boulette qu'il a fallu réparer. Ah oui, oula. Ils avaient eu l'idée de faire une photo sur un matelas pneumatique jaune, je me souviens, à l'ancienne, dans la piscine, comme ça. Et on avait décidé de ruiner leur séance photo, en fait, et qui était le motif, enfin la raison pour laquelle on se trouvait dans cette île paradisiaque, c'était de sauter dessus d'un plongeoir. Donc on l'avait fait, on a crevé le matelas. Donc il fallait. Parce que la photo existe. Je sais pas, mais je me souviens. Mais pourquoi elle existe ? Il bouchait les trous. De Paris, non ? Enfin, j'en sais rien. Il paraît que Sylvie Vartan posait de manière très glamour, mais en fait, elle bouchait les trous en même temps. Ah, c'est ça, d'accord. C'est astucieux. Donc, en fait, il fallait que les gens comprennent. Frédéric, dans la série Casse-Couille, il y a un an, il s'est garé avec sa moto devant une ambassade et demandez-lui comment il a retrouvé sa moto. Vous avez dit Casse-Couille, j'ai entendu autre chose. Casse-Couille. J'ai cru que j'avais entendu ça, mais c'était Casse-Couille. Donc, voilà, parce que c'était avant, c'était petit, mais ça continue. Donc, il vous est déjà arrivé de vous garer avec votre moto devant une ambassade ? Oh, alors. Comment vous avez retrouvé votre moto, on me dit. Bah, je ne l'ai plus retrouvée, justement. Si, j'ai retrouvé la malle arrière à la Tour Eiffel, l'autre à l'Arc de Triomphe, ouais, ils me l'ont fait sauter, ouais. Ils l'ont fait sauter. Mais bien, quoi. C'est-à-dire que c'était pas genre dosé, si tu veux. C'était, ils m'ont fait tout exploser, quoi. Donc, j'ai entendu, j'étais chez un pote et j'entends. Et je suis, oh le con, il s'est fait péter ça. Et je suis arrivé, c'était moi. J'étais avec mon casque. Et donc, les gars, qui étaient très sympathiques d'ailleurs, m'ont dit « Ah, la moto était à vous ?» Je dis « Ben, hélas, ouais. » Je dis « Mais elle est où ?» Je dis « Ben, on a dû la faire sauter parce que, comprenez, on n'a pas le droit de se garer là. » Je dis « Oh, une ambassade. » Autre anecdote, son père avait une Harley rutilante qu'il a eu le malheur de vouloir montrer à David, qui a eu le bonheur de vouloir l'essayer. Ah ouais, non, et ça a dû durer 2 minutes 15. Il s'est enfourché le premier arbre de la forêt. C'était à l'Étang-la-Ville à l'époque. Et j'étais tout penaud à côté de son père. Je guettais la réaction. Et je dois dire qu'on a entendu un énorme bruit. On se pour voir si ça marche. Ça marche bien. Ne me faites pas trop peur, que ça ne marcherait pas. Donc, on me dit, c'est pareil, tout le côté comme ça, un peu gaffeur, parce qu'on va passer tout de suite. Donc, un jour, Johnny Hallyday vous propose même d'essayer une Harley Davidson. C'était quoi la durée de vie de la Harley Davidson avec vous ? Je sais pas, 2 minutes ? Oui. qu'est-ce qui s'est passé ? On n'était pas là. Alors, je sais pas, parce que. Ah, il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Alors, en fait. Oui, je sais que vous vient à l'esprit. 2 minutes. En fait. Ouais, je pense que j'ai voulu l'essayer et il disait non, j'ai dit mais si s'il te plaît, j'ai dit exact. Si, écoute, on se voit pas souvent, ça serait sympa que tu saisis ta moto. J'essaie de le culpabiliser d'abord. Ouais, ouais. Les parents, ouais. J'ai dit bon d'accord et voilà, donc je faisais pincer par les flics avec la R5 turbo là plusieurs fois, il avait une R5 turbo à Beverly Hills. Donc à 16 ans aux États-Unis à Beverly Hills, vous aviez une R5 turbo. Ah, j'étais le seul à avoir une vraie voiture française, ouais, une R5 Turbo 2. Avec l'intérieur et tout en Sky. C'est vrai que vous êtes fait souvent passer par les flics, pourquoi ? Alors écoute, j'étais un tordu forcément de sport automobile. Et à l'époque, c'était la porte de Saint-Cloud, il y avait l'usine Alpine qui était là. Et j'étais venu, j'avais acheté ne rigolez pas s'il vous plaît, le kit 250 chevaux en pot d'échappement que j'avais mis dans mes valises. Pour ramener aux États-Unis. Bah, ça se trouvait difficilement là-bas. Donc j'avais ramené dans mes valises et je l'avais installé moi-même. Et c'est vrai que ça faisait beaucoup, beaucoup de bruit. Et je m'étais beaucoup amusé avec... Moi, je ne vais pas donner le mauvais exemple. Non, non. Bon, d'accord. Avec la police, là-bas.
Et c'est vrai que c'était... Il s'est fait amocher par des voyous et il est revenu devant sa mère avec l'œil au beurre noir. Comment vous expliquez qu'un jour à l'adolescence, vous êtes rentré à la maison avec un œil au beurre noir aux États-Unis? Ah oui. Vous avez été coursé. Alors écoute, ouais, nous étions trois dans une voiture, une Golf décapotable. Et vers minuit, une heure du matin, en sortant du Cinoche, on est tombé sur un énorme van, comme on peut s'imaginer américain, avec quatre mecs dedans, ou trois mecs. Donc je pense qu'ils font de l'ultimate fighting aujourd'hui. Je pense que c'est des mecs qui, tu vois, le style. Et nous, on était gamins. Et l'un de mes potes avait décidé, à trouver ça très, très drôle, de leur faire un bras d'honneur. C'est super. C'était exactement ce qu'il fallait faire. Et moi, j'ai dit, mais t'es malade. Et donc, on a commencé, c'était moi qui conduisais, on a commencé à se faire poursuivre par eux. Et là, dans ma tête, on était paniqués tous les trois. Et j'ai commencé à conduire comme un malade. On sait qu'aux États-Unis, comme tu dépasses de 2 km/h, on te met un fusil sur la tempe. Donc j'ai commencé à faire des dérapages et tout, à partir en live. Et j'ai trouvé une petite rue et avec un garage en dessous. Et je suis descendu à 100 km/h. Je me suis garé dans le garage, sous l'immeuble. Et là, je me suis dit, ah, on les a semés. Et là, on voit 4 mecs qui descendent comme dans les films. Avec, y en avait un qui avait un énorme couteau. Et je lui ai dit, ah, t'es content maintenant, hein? T'es content maintenant, on va se faire tuer grâce à ça. Alors moi j'arrive, je fais bon. J'arrive chez. Vous allez écoute, rire. Et ben, bah, c'est parti direct. Et les deux autres ont passé un mauvais quart et on est rentré. On est rentré à la maison. Il a menti à sa mère quand il est rentré, hein, bien sûr. Hein. En disant la vérité. Ah bah si tu veux, c'est difficile de dire le contraire. Non, il a dit qu'il était tombé, donc. Non, on me dit que vous avez menti, on me dit que vous avez dit que vous étiez tombé. Ah bon? Ah c'est possible. Bah non, parce que tu sais, chez les Bulgares, tout devient très dramatique. Enfin, tu vois, alors on s'est dit, voilà, on va éviter ça. Fait, non, je me suis pris. Quand vous dites c'est les Bulgares, je rappelle que c'est Sylvain Vartan d'origine bulgare. Ouais, pardon. De toute façon, quand on lui prête pas les motos ou les voitures, il les prend. Moi, je me souviens que je dormais chez sa maman, on avait 17 ans. Et la nuit, c'était la première fois qu'il faisait ça d'ailleurs avec moi, on faisait le mur, on piquait la voiture de Bernard Fixot, l'éditeur. Vers 23h, Hubert, qui est là, appelait le patron de la boîte de nuit pour nous faire passer pour des majeurs. Et avec la belle voiture qui était une Porsche, on allait en boîte de nuit comme ça, en la volant. Je crois même pas qu'il avait le permis français. Ok. Donc on me dit, oui, effectivement, vous aviez un surnom quand vous étiez adolescent. Ouais. Vous alliez en boîte de nuit à 16 ans, vous n'étiez pas majeur. Vous empruntiez... Bah, c'est pas drôle quand t'es majeur. Ben oui, on a le droit. Il n'y a pas de transgression. Et puis, donc, du coup, vous empruntiez la voiture d'un grand éditeur que le public connaît, hein, Bernard Fixot. Il y a prescription maintenant. Merci forcément. Bernard, ouais. Merci Bernard. Et donc... Comme quoi, les gens regardent le compteur des voitures, ça arrive. C'est-à-dire ? Le compteur, le kilométrage, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il est venu voir, je peux te voir 2 secondes ? Je fais, bah, écoute, oui, il me fait, écoute, je t'aime beaucoup, je suis un ami de la famille, c'est sympa, mais pourquoi tu as mis 12 000 km sur ma voiture ? Il faut savoir, Frédéric, que sa mère ne croit toujours pas qu'il a fait le mur. Hein. 12 000 km. Enfin, c'est exagéré, je l'avais mis sans borne. Mais bon, il avait remarqué quand même qu'il y avait une différence de kilométrage sur la voiture. C'est rare de regarder et donc, quand même. Mais c'est très rare, je suis mal tombé. Non, mais ce qui est génial, c'est que quand vous racontez l'histoire aujourd'hui à votre mère, elle vous croit toujours pas. Non, il y a plein de choses, mais tant mieux. Elle vous croit toujours pas. C'est sûr il est un peu peut-être en l'air comme Johnny, David. Hein, donc il perd tout et puis il retrouve tout en fait. Hein, et c'est vraiment sa particularité. Écoutez, on me dit en tout cas, tête en l'air, vous perdez tout. Oh. Mais vous retrouvez les choses en général. Oui, mais c'est pour ça que je m'inquiète jamais. Alors donc, je vais vous demander si vous me faites confiance ou pas. Écoute, si je suis là, c'est que je te fais confiance. Je voudrais que vous m'aidiez à vous faire un cadeau. D'accord. Et là, pour l'instant, vous allez être un peu à la. Pour l'instant, ça va pas me faire plaisir. Alors, c'est à la fin. Voilà, exactement. C'est à la fin de l'émission uniquement qu'il va se passer un truc bien. D'accord. Là, vous n'allez pas faire confiance. Alors, je vous laisse vous asseoir. Je vais juste vous demander de mettre une blouse car vous êtes médecin. Oh là là, d'accord. D'accord. Vous êtes médecin. Je crois qu'il y a des stylos, hein. J'imagine qu'il y a un stylo là, vous allez avoir besoin. Je vous laisse vous installer, je vais mettre ici parce que c'est à moi que vous allez regarder pour la réplique. D'accord. Vous avez compris qu'il y a un fond vert derrière vous, un peu comme dans Matrix. Oui, j'avais vu, vous allez mettre des trucs derrière moi. Voilà, donc vous allez voir ce qu'on va en faire. Jimmy Arnaud, notre monteur, Charles Ludon, vont faire quelque chose qui va vous faire plaisir. Je sais que ça paraît difficile à croire. Non. Donc vous êtes médecin, pour les deux premiers plans, je vous laisse vous mettre debout. D'accord. Voilà. Et vous allez me dire, voici la réplique, vous allez me regarder, vous allez me serrer la main de la main droite. Vous allez dire entrée, entrée,
Mm-hmm. Vous me serrez la main, vous dites encore vous, vous avez oublié quelque chose? Entrez, entrez. Ah, encore vous, vous avez oublié quelque chose? On va exactement la même sans serrage de main. Entrez, entrez. Encore vous, vous avez oublié quelque chose. C'est parti. Mm. Entrez, entrez. Ben non, mais merde. Entrez, entrez. Encore vous, vous avez oublié quelque chose? Bah, c'est super. Alors, dans la même situation, vous me dites, donc, vous ne vous rappelez pas que vous étiez ici il y a à peine une minute. Vous attendez une seconde et vous dites, si c'est une blague, c'est vraiment pas drôle. D'accord. Moteur. Donc, vous ne vous rappelez pas que vous étiez ici il y a une minute. C'est quoi? J'ai oublié. Si c'est une blague, c'est vraiment pas d'accord, drôle. D'accord, ok. Donc, vous ne vous souvenez pas que vous étiez là il y a une minute. Enfin, si c'est une blague, c'est vraiment pas drôle. Super! Alors là, toujours debout, la réplique est très rapide, mais vous vous énervez un petit peu. Pas trop, parce qu'il va falloir s'énerver un peu plus après. Donc, d'accord. Un petit peu, vous dites, bon allez monsieur, va falloir y aller maintenant. D'accord. Bon allez monsieur, va falloir y aller maintenant. Super! Alors maintenant, vous êtes assis. Vous me regardez, moi, et vous me dites, bon, restons calmes, j'ai encore beaucoup de travail, je dois absolument rester seul dans ce bureau. Bon, écoutez, restons calmes, j'ai beaucoup de travail, je dois rester seul dans ce bureau. Super. Alors, vous allez rédiger comme si vous étiez, vous parlez en écrivant, en fait. Vous allez dire, bon, j'ai compris, on repart à zéro. D'accord. Vous êtes en train d'écrire une ordonnance sur ce papier jaune, et vous d'accord. dites, alors, je vais vous prescrire quelques médicaments. D'accord. Finissez de rédiger, et vous tendez le papier, et vous me dites, voilà, au revoir. Bon, j'ai compris, on part à zéro. Je vais vous prescrire 2-3 petits médicaments. Alors, 2 matin, 2 midi, 2 le soir. Merci beaucoup, au revoir. Parfait. Là, vous vous énervez vraiment. Vous dites, ah, mais non, pas ce soir. Vous prenez cette ordonnance et vous quittez ce bureau immédiatement. Parce que vous voyez que je suis un peu fou. Ah, mais non, pas ce soir, d'accord. C'est sympa quand on connaît pas le truc, ok. Pas ce soir. Vous prenez cette ordonnance et vous quittez mon bureau immédiatement. Génial. Content de mon public. Allez, c'est les deux dernières. Donc, vous êtes toujours assis et vous me regardez, vous dites et que je ne vous revois plus cette fois-ci, compris? D'accord. Et que je vous revois plus ici, vous. Tête de con. Non. On le garde. On le garde. Quand vous allez savoir à qui vous dites ça. Alors, et donc... Oh merde. Et là, vous criez... Alors, attends, parce que si je sais qui c'est, je peux le faire mieux, peut-être. Non, c'est la surprise. Alors, attention, là, vous criez. Ah non, là, vous vous foutez vraiment de ma gueule. Sortez immédiatement, j'appelle les flics. Ouais, d'accord. Non, mais alors là, vous foutez vraiment de ma gueule. Sortez d'ici, sinon j'appelle les flics. Parfait, on applaudit très fort. Bon, alors, évidemment, je vous remercie pour votre confiance, mais je suis très sûr de notre coup, parce que je sais que ça va vous faire plaisir. Voilà. Non, je rappelle à ceux qui nous rejoignent... Il est formidable comme comédien. C'est difficile comme exercice. Vous ne l'avez pas. Et je rappelle à ceux qui nous rejoignent qui n'ont rien compris à ce qui vient de se passer. Mais moi non plus, j'ai rien compris, je te rassure. Vous avez dit des répliques sans savoir ce qui se passait, et puis il va y avoir une magie, la magie du montage, et vous allez voir, ça sera un joli cadeau, et je suis sûr de mon coup. Alors... Donc Véronique, vous êtes née, donc vous avez grandi près d'Annecy. Hein, il est un peu détendu. Ah, c'est bon. Vous avez grandi près d'Annecy. Votre papa est représentant de commerce. Votre maman est psychographologue à l'époque, c'est ça. Donc on va dire, on va vous voir quel type d'enfance vous passez. Vous dites dans les interviews, voilà. Un rêve. Enfant de l'amour en tout cas, enfant désiré. C'est ça, hein, c'est comme ça que vous le décrivez. Et puis vous dites même une enfance idéale, comme on la lisait dans les romans de la comtesse de Ségur. Ah, déjà quand on est à Annecy. Au bord du lac, dans la nature, avec les montagnes. Voilà, moi j'adorais le sport, donc le ski, la natation, tout ça c'était un rêve quand même. Elle passait son temps à jouer dans la ferme voisine. Et pour le goûter, elle adorait manger le lait en poudre pour les veaux. Et elle se dit, qu'est-ce qu'elle faisait? Donc, vous êtes petite fille, vous adorez aller passer du temps chez les voisins qui sont fermiers. Et qu'est-ce que vous mangiez pour le goûter? Le lait en poudre des veaux. Oui. Et elle piquait les poires dans le verger du voisin pour faire cuire les poires au feu de bois. Vous avez volé? J'ai volé des poires.
Ah, les poires du jardin du curé, bah oui, les poires vertes, bien sûr. C'était tellement drôle d'aller piquer les poires dans le jardin du curé, c'était irrésistible. On se dit visage d'ange, alors est-ce qu'on veut savoir ce qu'elle a un peu démon quand même à cette époque-là et tout ? Oui, elle prenait l'argent de la quête le dimanche, ouais. Et allait s'acheter du jambon avec l'argent de la quête. Donc on me dit le dimanche... il y en a qui allait à la messe, elle piquait l'argent de la quête. Je ne piquais pour pas l'argent du de la jambon. Quête. Non, mon père me donnait de l'argent pour elle, pour la quête. Je ne piquais pas l'argent dans le tronc de l'église. Et en fait, c'est vrai que la messe m'ennuyait, que je n'apprenais pas grand-chose, et que c'est vrai que j'étais toujours avec ma copine Frédérique à l'époque, qui était mon inséparable... démon bis, et qu'en fait on allait acheter une tranche de jambon comme si on était affamé dans la boucherie à côté, et on lisait les Bibi Fricotin en entendant que la messe se termine et qu'on t'es puisse rentrer chez nous. T'es pas un peu capricieuse, voilà. Notre Véronique, quand on me dit enfant capricieuse quand même un petit peu, vous confirmez ou pas vous? Ah, je crois que jusqu'à l'âge de 15 ans j'étais chippie, et puis en fait après j'ai commencé à travailler, ça m'a appris plein de choses très vite, la responsabilité de tout ça, ça a changé bien des choses. On adorait en fait s'habiller en princesse, ouais. Mais en fait c'était toujours elle qui avait la robe de princesse et moi j'étais la fée Carabosse, donc je trouvais qu'elle était un petit peu trop gâtée. Non, c'est vrai qu'on me dit, on essaie d'imaginer le genre de petite fille ou de garçon manqué. En même temps, vous rêviez d'être princesse. Mais bah, elle mettait des robes de princesse. Et par contre, il fallait qu'elle ait toujours la plus belle robe. Ça m'étonne pas. Ah si, quand j'étais, quand je jouais avec ma cousine Claire, où elle avait toujours le mauvais, parce que le carrosse c'était la petite brouette qui devait être grande comme ça en fait, ouais. et c'était elle qui tirait le carrosse, forcément dans le carrosse il y avait la princesse, donc c'était moi. Donc elle devait jouer les quatre magnifiques cobs qui tiraient le carrosse de la fée Cendrillon, je ne sais pas. Bon, mais on me confirme qu'il y a eu des virées en mobylette après. Il y a eu des virées en mobylette. Bah oui, tout le temps. Faisant beaucoup ça, de sport, rien de... du ski, du handball, les premières boum. Viens derrière moi, Mobulette, tu seras dégoûté à vite. Donc, les premières boum. Ouais, il y avait la mobilette, mais il y avait aussi les motos et les garçons qui étaient plus grands. Bah oui, ça allait ensemble après 15 ans. Oui, après 15 ans, effectivement, il y avait les premières boum, les mobilettes, les garçons qui avaient dessus. Oui. C'est, et, la, voilà. et les premières boum et la fête qui allait avec. Et les fêtes qui allaient avec. Les boum. Ouais. Non, mais parce qu'on cherche des euphémismes pour dire les premières cuites, en fait. Oh, non, à peine. Oh non. Elle était assez délurée parce qu'elle a. C'est vrai qu'un jour, elle avait m'aidé à retrouver les clés de la cave de mes parents pendant une boum, et ça avait été assez rigolo. Est-ce que vous vous rappelez d'une boum dans une cave? Vous aviez trouvé des clés. D'une boum dans une cave. Dans une cave. Et à l'époque, c'était avec Mehdi. Mais non, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Je me souviens de rien. Je sais pas, j'ai peur qu'elle ait des indices. Parce qu'on avait essayé la cave. Qu'est-ce que j'allais faire dans une cave? C'est pour cave. Ça que je me souviens de rien. Non mais moi j'ose pas répéter, j'ai peur qu'elle devine votre présence. Je prends pas le risque. Bon, non voilà, donc laisse tomber Frédéric, ça a l'air d'être un truc sadomaso. Non, je répète qu'on avait 13-14 ans. Ils étaient nombreux dans cette cave. Mais c'est ça. Tu vois, David, il voit la même chose que moi. T'as vu dans une cave, vous êtes... Avant, exactement. À l'adolescence, on essaie de se rendre compte, donc on dit les virer, etc., pour vous taquiner. Mais donc, c'est quoi à ce moment-là? Avant de se mettre à travailler, encore une fois, quel genre d'adolescence? C'était beaucoup de handball, parce que j'adorais ce sport, et que c'est un souvenir magnifique de sport d'équipe que j'ai vraiment vécu des moments magnifiques. Hmm? Compétition? Oui, en compétition, on a été championne cadette de Haute-Savoie. Et c'était un souvenir formidable, toute cette époque. Et puis sinon, c'était le ski tous les week-ends, parce que j'étais à une demi-heure des pistes, donc c'était beaucoup de ski. C'était mon cheval, quasiment ma jument, j'allais la monter presque tous les jours, même si je ne la montais pas, j'allais m'en occuper. La pensée, c'était... Mon bonheur, c'était d'être avec elle. En fait, elle était tout pour moi à ce moment-là. C'était ma complice, mon amie, mon amour, ma passion, c'était tout. C'était énorme. Donc... Gaffeur, on disait donc. J'adore. En musique, s'il vous plaît. Vous
installée à côté. Vous allez me dire de qui il s'agit. Qui est cette personne? Elle a la robe de princesse. Et ben, c'est ma cousine c'est une Claire. Petite vengeance. Voilà. Vous avez compris pourquoi elle venait comme ça alors? Eh ben oui, parce que elle s'est vengée. Moi, cette fois-ci, c'est elle qui a la robe de parce princesse. Parce que vous avez compris, elle nous racontait des anecdotes en disant quand j'étais petite, elle, moi j'étais la fée Carabosse, elle était toujours la princesse. Elle avait les plus belles robes. Elle dit je vais me venger, mais dans pas longtemps du tout. Non mais Claire, en plus, on a énormément de souvenirs ensemble parce que elle était monitrice de ski. Donc, on skiait ensemble aussi au Grand Bornand. C'est la cousine dont je suis la plus proche. On a fait les 400 coups et on a aussi pris une cuite au Grand Bornand ensemble. En prenant, c'était quoi? C'est de l'Alexandra, une cuite à l'Alexandra, un truc comme oui, ça. Oui. Oh, que, évidemment, non, parce qu'il faut savoir que quand, dans les stations de ski, évidemment, tous ses copains moniteurs, chacun voulait offrir sa tournée, dans une, deux, trois, mais au bout de trois, j'étais. Et j'imitais le, vous savez, le chien de. Oui, le je pense à tout à l'heure quand tu imitais le chien. Je pensais à cette anecdote-là. Bon, plein de souvenirs ensemble. Plein d'infos, plein de souvenirs. Non, mais en plus, moi je me suis dit, bon, quand elle va l'arriver en princesse, elle va croire qu'elle est devenue folle. Mais j'ai compris tout de suite. Oui. De quoi il s'agit. Mais je... oui, parce qu'en fait, ça m'est revenu tout à l'heure le truc. Claire, un mot sur Véronique que vous connaissez bien. Qu'est-ce que vous avez envie que le public sache d'elle qu'on ne sait pas encore? Moi qui la connais bien, je trouve ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est qu'elle est restée naturelle. Comme je l'ai connue, comme je l'ai appréciée dans nos jeux, quand on était gamine. Et là, elle est restée vraiment nature, c'est la même. C'est une info, ça, hein, ouais. Quand on parle des artistes, on dit, quand des gens qui vous ont connu il y a très longtemps disent c'est la même, c'est une info qui est intéressante quand même. En tout cas, vous avez une maison d'hôte dans le Périgord, et on va dire, pour que les gens viennent, que vous êtes en princesse tous les jours. Merci, merci beaucoup d'être venu. Attendez, ça va être fini déjà, comme maison d'hôte. La licorne. La licorne dans le Périgord. Licorne, merci Périgord. Beaucoup, Claire, d'être venu dans le jeu. Merci beaucoup. Je laisse repartir par la grande porte. David. Moi, je veux bien qu'il y ait un pote qui descende en princesse. Ça me ferait vraiment rire. Hein. Ouais, Maya, Maya. Alors, David, vous êtes né à Boulogne-Billancourt. Vous avez été baptisé par les médias David Hallyday, même si ce n'était pas votre nom à la naissance. Vos parents, donc Jean-Philippe Smet, dit Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Vartanien d'ailleurs, sont déjà stars quand vous naissez, donc ça c'est pas banal puisque vous devenez célèbre à la naissance. Et puis vous êtes élevé par votre grand-mère, la maman de votre maman, ouais. Yona. Ouais. Ça vous l'avez dit dans l'Oise, vos parents sont souvent en tournée. Et puis on essaie de comprendre un peu l'enfance que vous avez à l'époque, parce que de temps en temps vous êtes à Paris quand même. Beaucoup de musiciens qui campaient chez Johnny et Sylvie, et il était toujours avec des musiciens très très connus, je ne sais pas s'ils s'en rappellent. Et donc effectivement, on me dit que beaucoup de musiciens, on l'imagine, parce que moi je suis fasciné par un truc, c'est qu'ils jouent de tous les instruments, donc d'où ça vient. Donc beaucoup de musiciens dès la toute petite enfance. Son père l'a réveillé à 5h du matin pour qu'il aille quand même jouer de la batterie avec Jimi Hendrix quand même. Donc, est-ce que c'est la légende ça? Parce que c'est vrai que vous avez été réveillé à 5h du matin pour aller jouer de la batterie avec Jimi Hendrix. Ouais, il paraît, ouais. Moi, je vous vous souvenez pas? Ouais, hélas. Vous étiez tout petit. Je me souviens pas. C'est vrai? À 5 ans, on ne se souvient pas de tout, mais. J'aimais bien quand mon père me réveillait à cette heure-là, généralement, pour venir jouer de la batterie. C'était les voisins surtout qui étaient super contents. Parlez-lui des bottes. Dites-lui des bottes. Ça m'amusait beaucoup, en tout cas. Alors, parlez-lui des bottes. On me dit parlez-lui des bottes. Ouais, mais disons que je savais que c'était mon père qui rentrait, parce que d'abord, c'était très tard, au milieu de la nuit. Et puis, il y avait ce bruit, on avait un couloir qui, pour moi, à cet âge-là, à 5 ans. Faisait 150 mètres, au moins c'était un couloir gigantesque, et j'entendais, quand tout était calme, j'entendais... Et j'ai dit, tiens, c'est papa qui rentre. Et donc c'était le bruit des bottes qui m'est resté longtemps après. Ce sont des bruits qu'on n'oublie pas. Il était déjà fasciné par le batteur de sa mère. On me dit que voilà, de la batterie vous fascinait. C'est-à-dire qu'il paraît que vous étiez fasciné par le batteur qui jouait avec votre mère. C'était mon héros, ouais. Tommy Brown, il s'appelait. C'était l'un de ses premiers batteurs. Et, ouais. Il avait des grands cheveux bouclés comme ça, des croix partout, des tatouages partout. J'étais émerveillé par ce mec. Et c'est lui qui m'a donné l'envie de jouer, en fait. Sylvie Vartan, votre maman avait une anecdote qui lui revient à l'esprit, qui dit beaucoup de vous aujourd'hui. Regardez. Bonsoir, David. Écoute, tu sais que je ne peux pas être là ce soir, mais néanmoins, je voulais te rappeler quelques petits souvenirs. Moi, je me souviens très bien d'un Noël, celui de tes 7 ans. J'avais décidé que tu aurais cette surprise d'avoir une batterie professionnelle.
Donc, on l'avait choisie toute rouge, elle était magnifique, brillante, pleine d'étoiles. Et je l'avais cachée dans les toilettes. Et elle avait enveloppée d'un énorme papier rouge avec un gros nœud. Et en fait, je t'avais donné tous tes cadeaux. Et tu avais l'air manifestement déçu parce que tu pensais secrètement que tu l'aurais, cette batterie. Et puis le temps a passé, et puis je t'ai dit, regarde, va dans, ouvre la porte, l'un des toilettes, parce que je pense qu'il y a quelque chose qu'on a oublié. Et voilà, tu as ouvert la porte, et moi j'ai vu, je t'ai vu devenir carrément blanc. Le sang est parti de ton visage. Enfin, toi tu n'as pas pu te voir, mais moi ça m'a fait un grand choc, et je n'oublierai jamais ce Noël. Je vous remercie, Sylvie Vartan, pour ce témoignage. Vous en avez le souvenir ou vous l'a raconté? Vous avez le souvenir de ce moment-là? J'en ai le souvenir. Non, d'ailleurs, je l'ai toujours, cette batterie. La batterie rouge? Je ne suis pas collectionneur, mais c'est l'une des... l'une des seules choses que j'ai gardées depuis mon enfance, c'est cette batterie que j'ai toujours. Ce que raconte votre mère, vous avez dit que ce gosse est devenu tout blanc? C'est que c'était émotionnellement. Parce que c'est, tu sais, quand tu, les parents, forcément, ils savent que tu veux quelque chose, donc tu leur dis, voilà, et ils font à la limite exprès de t'offrir autre chose, et pour, à la limite, après, que ce soit une révélation et que tu vois l'objet. Et moi, c'était ce que je voulais de plus cher, c'était une batterie. Donc, quand on dit la musique, c'est quasiment inné. Je propose de voir un document exceptionnel. Je sais que c'est la première fois que ça passe à la télévision. Il y a des documents aussi dans le film. Et moi, ça m'impressionne beaucoup. Regardez, David est tout petit, vous me direz quel âge vous avez. Et là, on voit effectivement votre rapport aux instruments de musique. Regardez. Ça fait longtemps que je n'avais pas lu ici. Vous avez 6 ans. Ah, il faut que je te dise un truc aussi. Pardon, je fais une petite pause. Les deux trucs que j'avais là. Oui. T'avais même pas remarqué. Si. J'avais deux trucs là. Dans la vidéo, oui. Ouais, et c'est que j'avais plongé dans une piscine là où il n'y avait pas d'eau, quoi, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. Donc quand on disait casse-cou, on a la preuve en image. Donc, ouais, j'avais. Voilà, merci. Quelle rapidité. Non, c'est bien, exactement. Donc voilà. Bon, et je propose, parce que évidemment, vous aviez vos petites obsessions. Comme ça, il y a eu des périodes de vadu, il y avait des obsessions. Il y a quelqu'un qui voulait parler... J'en ai toujours beaucoup. Il y a quelqu'un qui voulait parler d'une de vos obsessions. Alors David, il y a une chanson que tu jouais à la batterie, assez souvent d'ailleurs. Et grâce à toi, je ne peux plus supporter cette chanson. Je dois changer la chaîne chaque fois que je l'entends à la radio. Est-ce que tu connais le nom de cette chanson? Michael Vartan, qui se souvient? Oui, je pense savoir. D'ailleurs, je dois dire, je suis super content de le voir parce qu'on ne se voit pas régulièrement. Donc, Il habite un peu loin. Mais bon, je suis content d'avoir traumatisé sa vie quand même. C'est un truc qui me... Donc c'était quoi le morceau? Il y a des restes. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des restes. Ça fait de sacré le lien. Je pense que c'est My Sharona, je pense. Mais je peux me tromper. Alors, on vérifie en musique. C'est ça. Moi je l'adore, mais lui il aime plus. Donc c'était bien ça, c'était la bonne réponse. Et vous jouiez ça à la batterie, vous dansez, hein? Toujours. Alors on parle depuis tout à l'heure du destin. Qui était prédestiné à la musique depuis l'enfance, quoi. C'était de seconde nature. Comédienne, c'était pas votre rêve. Votre rêve à vous, c'était quoi? Véronique voulait être veto, prof d'anglais, mais pas du tout comédienne. Ah, mon rêve, c'était professeur d'anglais, vétérinaire avant, professeur d'anglais après. Mais pas comédienne? Ah non.
Donc, non, j'y pensais même pas, en fait. Voilà. Donc la question qu'on se pose, c'est comment c'est rentré dans votre vie? Ben, c'est rentré dans ma vie par hasard, parce que maman était travaillait dans la publicité à l'époque, et qu'une amie à elle avait mis une photo de moi sur sa cheminée. Et puis il y a un de ses amis metteurs en scène qui est venu et qui a dit oh, elle a une bouille, cette gamine, elle devrait faire du cinéma. Sa mère a décidé de l'inscrire à l'annuaire du cinéma quand elle avait 12 ans. Et puis du coup, en fait, ma mère s'est dit bon, on ne sait jamais. Tout le monde lui dit. Et elle m'a inscrite dans l'annuaire du cinéma. Quand Cécile Aubry a préparé son feuilleton, qui était Le Jeune Fabre à l'époque, avec Mehdi, en fait, elle a vu tous les jeunes gens des cours sur Paris. Elle ne trouvait pas. Et en désespoir de cause, elle a cherché tous les jeunes de moins de 18 ans dans la liste de l'annuaire du cinéma à l'époque. Il y avait au moins 20 filles en compétition et elle était déjà canon, quoi. C'était déjà une bombe. Et puis je suis arrivée là-bas et il s'est trouvé que j'étais pile le personnage en fait que Cécile Aubry avait dans sa tête. Donc ça a été la rencontre en fait entre le fantasme d'un metteur en scène qui était voilà, une personne. Complètement. Bon. Elle était hyper à l'aise, beaucoup plus que moi d'ailleurs, et elle apprenait super vite et c'était très impressionnant pour une fille qui n'avait jamais fait ça, quoi. Alors ce qui est assez extraordinaire, vous avez 14 ans et demi, vous n'avez jamais joué à la comédie, il paraît que vous apprenez super vite vos textes. Oui, j'apprenais très vite, ouais, j'apprenais très très vite. Et vous êtes très à l'aise devant les caméras, alors encore une fois, c'est pas idée. Parce que je pense que j'étais à l'aise dans ma vie. C'est vrai que quand on est un enfant de l'amour, quand on fait du sport aussi, tout ça, ça joue, donc j'étais à l'aise. Donc c'était son premier tournage, hein, et son premier amour, je pense aussi. Alors on me dit premier tournage, et on me dit premier amour. Ah bah oui. Ah bah oui, Mehdi, bah oui, évidemment. Mais toutes les filles de mon âge étaient amoureuses de Mehdi. Il y a des filles qui m'ont haï, qui m'ont envoyé des lettres, mais d'un jure. Moi, en les disant, mecs me détestaient. Comment on peut tourner avec Mehdi et pas moi? Donc là, on voit tous les deux sur la photo. Voilà, et pour immortaliser le couple, on a décidé de se scarifier le dos. On s'est tatoué nos initiales sur le bras. Donc c'est une belle histoire dans la fiction, dans l'histoire qui a été écrite, dans le scénario, et ça devient une belle histoire dans la vraie vie. Ah bah c'était mon premier amour, mais bon, je dirais quand même... C'était des adolescents, c'est quoi. Un peu... Bah oui, c'était gravé nos initiales sur le bras. On s'est fait très mal quand même, c'était très très douloureux. Le M, mais là... Mais avec quoi? Avec un cutter, vous avez fait ça? Avec une aiguille. Avec une aiguille. Une aiguille. Ah, mais quand on aime. Mais oui, les adolescents, la passion, mais etc. Mais oui, c'était au sang. Vous le vivez comme une parenthèse de votre oui. vie. Vous savez déjà que c'est votre métier? Non, je le vis comme une formidable parenthèse, parce que ça a été une joie immense. En même temps, ça a été aussi la prise de contact avec plus de réalité. Jusque-là, j'avais toujours été dans un écrin quand même. Vous avez fugué pendant le tournage? Ah oui, mais ça, j'ai fugué parce que moi, j'ai toujours été habituée à cet âge-là. Voilà, on s'occupait de moi. Et là, personne ne s'occupait de moi. Pendant le tournage, oui, mais je ne tournais pas tous les jours. Et quand je rentrais, en fait, là où j'étais en pension... Vous étiez loin de votre famille, faut savoir. J'étais loin de ma famille. C'était la première fois où j'étais vraiment séparée de ma famille aussi longtemps. J'étais loin de tout le monde. Et on m'avait mis chez des cousins de Cécile Aubry qui étaient médecins. Et les médecins, en fait, se consacrent à leurs patients, mais ne sont pas des gens très sentimentaux. En fait, ils n'ont pas de temps à perdre. Et un jour, j'en ai eu marre qu'on ne s'occupe pas de moi et je suis partie dans le parc de Saint-Cloud. Je suis rentrée 5 heures plus tard, à la nuit tombée, et tout d'un coup, il y avait des camions de pompiers qui étaient là. On pensait que je m'étais, je ne sais pas ce qui. Salut, Jérôme. Et... Ah, non. Ah, c'est Mehdi. Comment tu vas? Bonjour. Ça va bien? Salut, Mehdi. C'est génial. Installez-vous, installez-moi. Faut que tu fasses un aveu, Jérôme. Dis-moi. J'ai gardé le tatouage. Je te montre, regarde. C'est pas vrai, il est encore marqué. Regarde. Levez. Bougez pas. C'est le fameux tatouage. Bon, c'est pas le vrai, à votre avis. Non, c'est pas le vrai. D'abord, il était pas dans un cœur, il était comme ça. Et puis moi, ça fait quand même longtemps, normalement. A priori, on cicatrise quand même au bout d'un moment à tous les niveaux. Donc. Mais dis, quel souvenir? Parce qu'effectivement, vous étiez habitué des tournages, et elle débarquait. Ah, moi, j'étais absolument halluciné par l'aisance et d'abord son rire. Elle a gardé ce rire extraordinaire. Elle était gaie, elle a vraiment irradié tout le monde dès qu'elle arrivait. Maman est tombée amoureuse d'elle, tout de suite. Pas qu'elle? Bah moi j'essaie de pas trop le montrer au début, puis finalement voilà. Après tu l'as bien montré, c'est vrai. Impossible de résister à Véronique, c'est impossible. C'est une fille formidable et elle a pas changé justement, vraiment, c'est ça qui est bien. C'est génial, moi je me souviens, j'étais téléspectateur de cette série que j'adorais. Et justement à 15 ans, comme ça, quelle relation on a avec le public justement?
Bah, oui. On s'en rendait pas bien compte, je crois. C'est-à-dire toi, t'es habitué. Non, mais même d'abord, on s'en rend pas compte, on se rend pas compte de l'impact. Et puis moi, personnellement, en tout cas, je voulais vraiment être le garçon le plus normal possible. J'allais à l'école, etc. Et ça me gênait presque, d'ailleurs, qu'on me reconnaisse. J'étais pas du tout people, quoi. C'était pas mon truc, quoi. J'étais pas, j'aimais pas ça. D'ailleurs, dès que t'as vu, en fait, tu t'es planqué de plus en plus. Donc, ouais. Ne m'embêtez pas. C'est vrai. Je suis même retiré dans le Cantal à une période. Il est sauvage. C'est vrai, dans le Cantal. C'est ça, les conséquences. C'est trop jeune. Et donc, aujourd'hui, vous êtes à la réalisation. Moi, j'avais vu un de vos courts-métrages formidables. Merci. Et donc, je suis venu dans la pièce de Laurent Baffy. Voilà. Vous étiez éclaté, en tout cas. Voilà. Mehdi est venu nous voir et ça me fait très, très plaisir. Et à moi aussi, je suis contente de l'occasion de vous voir. Merci. C'est incroyable qu'il soit venu parce que c'est un sauvage. Qui s'était reclus dans le Larzac, c'est ça? Oui. Alors, David, on l'a dit, vous êtes artiste de génération en génération, il n'y a pas que vos parents. Il y a 3-4 générations d'artistes chez nous. Du côté de ma mère, du côté de mon père, je connais un petit peu moins. Ouais. Mais du côté de ma mère, c'est vrai qu'en passant par mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, des danseurs, des compositeurs, des architectes, mon grand-père, qui était pour moi le l'artiste le plus doué de la famille. Sa mère raconte, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, qu'il tapait en rythme dans son ventre lorsqu'il était, lorsqu'elle l'attendait. La légende veut que vous tapiez en rythme dans le ventre de votre mère, donc... Déjà. D'ailleurs, justement, elle a un souvenir qui lui revient, parce qu'on se pose la question, toujours pareil, de la naissance de la vocation et de cette affinité avec la musique et les instruments de musique. Un souvenir, Sylvie Vartan. Je suis sûre, David, que tu te souviens de la façon dont tu as appris à jouer de la guitare. Très rapidement, je dois dire. En 5 semaines, tu savais jouer. En fait, c'est que Tony t'avait promis une Ferrari si tu apprenais à jouer de la guitare. Et au bout de 5 semaines, nous étions tout à fait étonnés de voir que tu jouais le solo de Johnny B. Goode parfaitement, comme si tu avais fait ça toute ta vie. Alors, est-ce que vous vous rappelez Non, est-ce que vous avez eu une Ferrari ou pas? Non. Vous vous rappelez pas ce que vous avez eu à la place? Ah si, un porte-clés. Un porte-clés, ouais. Bon, par contre, ils avaient trouvé le bon moyen, donc il apprend à la guitare en 5 semaines. Non, mais ce qu'il faut... Non, mais attends, il faut savoir, hein, pour le respect des musiciens, on n'apprend pas à jouer de la guitare en 5 semaines. C'est objectif, ça. Ouais, non, mais je l'adore. Non, mais on n'apprend pas à jouer de la guitare en 5 semaines, on a des bases, ça serait trop facile. Ce qu'il y avait, Frédéric, c'est que c'est un fantastique compositeur. Il est très capable de passer des nuits entières à composer et il est capable de sortir 3 titres dans une nuit. C'est son dernier album a d'ailleurs été fait de cette manière. On me donne des infos, alors vous allez les contester par modestie, mais on me dit, bon, il a tellement ça dans les gènes, dans le sang. Non, pas du tout. C'est tellement un don qu'il peut composer 3 morceaux dans la journée, dans la nuit. Ah, 4, 5. Non, c'est arrivé ça, c'est l'image ou pas? Si je suis inspiré, je peux... Ouais, c'est pas nécessairement bien, nécessairement, mais voilà, je peux écrire. Vous composez comme vous respirez. Ouais. Alors, c'est vrai que vous jouez sur scène à 13 ans. Vous accompagnez votre père, c'est un truc qu'on n'oublie pas, ça, à 13 ans, à la batterie sur scène. Non, ça s'oublie pas, non. Surtout les conditions dans lesquelles on m'a propulsé sur scène, c'était complètement inattendu pour moi. Et j'avais l'habitude de jouer devant mes 2-3 potes, mais jamais devant 5000 personnes, quoi. Je voulais pas trop y aller au début pour être franc. Donc c'est une surprise pour lui. Oui, et pour moi aussi, c'était un drôle de truc. Mais bon, j'avais... Qu'est-ce que vous lisez dans son regard quand il vous voit arriver sur scène? Je vais me prendre une trempe, arriver à la maison, quoi. C'était sa question à lui, c'est quoi? Il se pose à votre avis la question. Il se dit, merde, c'est là que tout s'arrête, quoi, à mon avis. Est-ce qu'il va assurer? Il faudrait lui reposer la question. Ouais. Mais est-ce que vous ressentez-vous dans vos regards? Moi, je me suis comme un enfant qui va se faire gronder par ses parents, quoi. C'était une très 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 mauvaise idée, ouais, de le faire. Et j'ai eu l'avantage d'être petit, un peu pour mon âge. Et c'est vrai que la batterie était tellement énorme parce que son batteur faisait 2 mètres. Et j'avais tous les tomes qui étaient là, et donc je voyais pas la salle. Donc pour moi, c'était, je me suis dit, bon, bah alors c'est comme dans ma chambre, en fait, puisque je vois personne, c'est parfait, ça tombe bien. Et à la fin, donc, il était tellement content que ça se finisse, je pense, et que ça soit bien passé, qu'il
il m'a présenté et ça a été le moment le plus affreux pour moi, je pense, de ma vie. C'est que là, vous découvrez le public qui est devant. C'était, c'était le premier contact, et le premier contact comme ça, c'était un peu violent, quoi. Donc je me suis dit que c'était pas trop mon truc, finalement, donc je suis sorti de scène et j'étais en transpiration. Ça aurait pu vous détourner pour toujours, en fait, alors que non. Ça aurait pu me dégoûter, ouais. 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 Dépendant que je jouais, que je m'éclatais. Mais tout ce qui était à côté, en fait, c'était pas trop mon truc, quoi. David est parti en tournée avec sa mère, comme Rhodes, et en fait, il jouait de la batterie plutôt qu'il faisait le Rhodes pendant une tournée d'été avec sa mère. On me dit, à un moment donné, il a embauché sur la tournée de sa mère. Au début, c'est pour décharger les caisses. En fait, vous, ce qui vous obsède, c'est pas ça du tout. On me dit, les caisses... C'est vrai, il les a pas beaucoup touché, les caisses, en fait. J'ai fait Rhodes, ouais, j'ai très mal fait mon travail. C'est-à-dire, qu'est-ce qui... J'étais dans le bus, j'ai fait la tournée, la première tournée, et donc j'étais avec les monteurs, enfin ceux qui montent les Rhodes, quoi, on appelle, qui montent les instruments avant le concert et tout. Donc j'ai passé du temps avec eux, c'était génial. Et donc moi j'étais chargé forcément de monter la batterie. Donc c'est vrai, et le gros problème c'est que je la montais très très vite avant tous les autres pour pouvoir jouer derrière. Frédéric, parlez-lui de la transformation de mon piano en clavecin. Oui, on me dit que vous avez un don particulier, on l'a dit, pour la musique, et vous êtes un peu une sorte de David Copperfield de la musique. Vous pouvez transformer un piano en clavecin. Oui, c'est comme ça. Comment on fait ? C'est facile. Tu sais, t'as les petits marteaux. C'est les petits marteaux derrière les... quand vous jouez. Il faut démonter un peu le piano. Il faut être un peu bricoleur. Certains pianos, c'est pas facile. Et tu colles des punaises derrière le marteau. Et après ? Et donc, ça fait... Ça fait un peu comme ça. Et puis après, t'as un mois pour enlever les punaises. C'est ça. Voilà. Et demandez-lui de vous raconter son concert au Japon. Car... personne ne le sait, mais David a fait une tournée au Japon. Bon, mais on me dit que vous avez quand même, avant même que le public vous connaisse, soit aux États-Unis ou en France, c'est d'abord les Japonais qui ont eu affaire à vous. Oui, j'ai fait deux tournées en Asie, ouais, au Japon. Mais moi, je parle d'il y a très longtemps, c'est-à-dire premier 45 tours, hein, c'est de ça que je vous parle, moi. Putain, si jamais tu montres un truc de là, je te jure... Voilà. Demandez-lui ce que ça fait de jouer au milieu d'un supermarché au Japon. Bon, mais oui, non, parce que quel souvenir, on se dit, c'est extraordinaire. Formidable. On se dit, Alain Delon est connu au Japon, et puis à ce moment-là, il y a David Hallyday, 17 ans, qui arrive dans un supermarché. Ah, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas un moment de... C'est un moment de solitude. On pense au truc de l'amour et tout. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas fait comme ça au début. Ben, disons qu'au départ, déjà, moi, j'ai appris la musique en groupe avec mes potes au lycée. Donc, pour moi, c'était une première. Et puis, je me retrouve au milieu d'un centre commercial avec toutes les boutiques autour et personne. Et avec un grand panneau publicitaire derrière, comme on le faisait à l'époque, avec passer une Have a nice day with David Hallyday. Ils ont été chercher loin. Ça veut dire passer une bonne journée avec David Hallyday. Le truc qui te donne confiance tout de suite. Tu vois, t'arrives, tu te dis putain, j'ai tout explosé, ça va être génial. Et donc il y avait un Japonais qui comprenait à peine ce que je lui disais. Et donc j'étais avec mon oncle, le frère de ma mère, et je lui dis mais Je vais jouer là. Et il dit ouais, au milieu, ouais. Je fais ah d'accord. Et ça se passait comment? Il y a des gens, il y a un truc, je vais chanter pour qui là? Parce que là, il y a personne. Il dit bah non, mais bon, tu vois, c'est la maison de disques et tout. Il invente un truc pour me faire, pour que j'y aille. Et donc je prends mon courage de main, je dis bon, allez, écoute, on est là, on y va. Et je monte sur scène, et puis, enfin, sur scène, on peut appeler ça une scène, enfin, l'estrade. Et là, le mec, très content de lui, envoie la sauce, et ça faisait... Et c'était à l'intérieur, donc tout était en marbre, c'était des nouveaux centres commerciaux là-bas qui venaient de construire, donc ça résonnait. Tu faisais ça, tu t'entendais ça pendant un an derrière. Enfin, c'était un truc... il balance le truc à fond. Et moi, je chante mon truc. C'était tellement agaçant au point de vue sonore que les gens sortaient des magasins avec leurs paquets. Ils sortaient des trucs de grandes marques, tout ça. Ils sortaient. Puis moi, j'étais là-bas. Ils ressortaient avec leurs paquets. Ils faisaient. Tellement il y avait des coups. Ouais, ça voulait rien dire. Tellement c'était affreux, quoi. Et donc, ça a été ma première expérience. Ça a été assez traumatisant pour moi. C'est deux tentatives. C'est bizarre. Après, ce qu'on a reconnu. Alors, j'ai dit, écoute, moi, si c'est comme ça tous les jours, je pense qu'on va retourner chez nous. Hein, parce que, après, ça a été formidable parce qu'on a fait. J'ai fait la première partie d'un groupe japonais. Là-bas, après, ça s'est.
Ça a changé, mais bon. Disons que c'est la première fois que je mets les pieds au Japon, c'était pour faire ça, ça m'a un peu, bon, un peu traumatisé. Donc on a beaucoup raconté les débuts, parce que c'est les premières fois qui sont déterminantes. La suite, j'ai envie de dire, on la connaît, je vais la résumer rapidement. Hein. Donc ouais, en 87, He's My Girl, deux titres qui lancent notre carrière aux États-Unis. Les cinq titres du film sont en tête du top 50 quand même, c'est pas rien. En 88, à l'âge de 22 ans, vous sortez votre premier album. Je n'ose pas le dire en anglais, mais j'ai pas l'accent. J'ai l'accent d'Arafat quand je parle anglais. Choco. Mais... Ouais. Choco. 900 000 exemplaires avec ce tube Hide dont on se souvient tous. Et puis voilà, on l'a dit en France, ben, vous ne trouvez pas de label tout de suite. Et puis ensuite, voilà, enfin, je suis obligé de faire des hélices, mais en tout cas, beaucoup de succès avec cet album, donc 100%. Gros succès de Johnny. Et puis 2 millions d'albums à l'époque. Vous-même, à la même époque, même période, on se demande comment il fait tout en même temps. 600 000 albums vendus pour Un Paradis, Un Enfer. Donc voilà, des Energy Awards, etc., etc. Moi, ce que je veux dire, que j'ai retenu dans tout ce qu'on a dit, c'est qu'il y a tous ces succès, et encore une fois, c'est pas par hasard, quand vous dites c'est le public qui décide, personne d'autre, mais depuis le début, on nous dit, mais ce type, il est surdoué, c'est-à-dire que vous lui donnez un instrument, hop, il sait jouer. Parce que sur votre album, encore aujourd'hui, qu'on peut trouver, qui vient de sortir, d'accord, qui est déjà disque d'or, je profite pour le redire, vous jouez de tous les instruments. Alors on a envie de faire un petit truc pour rigoler. On se dit, on présente un instrument à ce garçon et il peut en jouer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut montrer un instrument, juste pour voir ce que ça fait? Je ne sais pas si vous savez en jouer, donc je vais tenter ma chance. Donc, non, je suis nul en harmonica. Nul en harmonica? Mais dans le prochain séjour en prison, je te jure, je vais pas. Bon, vous devez faire ce que vous pouvez. Non, non, attends, je te jure, je ne sais pas jouer. Non, non, mais c'est pour ça que je vous le donne. Nul. Il n'a jamais... Oh, la jolie. Ça, c'était pour démarrer doucement. Non, mais je sais pas jouer. C'est pas un défi, il suffit d'écouter votre album pour voir qu'il sait tout jouer. Mais moi, ça m'a énervé au bout d'un moment. Moi, je sais pas jouer même pas une note d'un instrument. Et si tu souffles, ça fait un son. Bon, attends, on va continuer. Est-ce que vous savez jouer de ça? Ah, c'est que des instruments avant. Hein. C'est La flûte de Pan. Qu'est-ce que ça donne quand on joue de la flûte de Pan? Je vais découvrir. Parce qu'on me dit, peut-être c'est inné, vous savez, depuis qu'il est né. Alors, attention. C'est beau le son de la flûte. Wow, on applaudit. Je vous jure que c'est pas facile. Et maintenant, non, parce que c'est vrai, au bout d'un moment il m'énerve, il est sympa, non, mais il est doué. Mais tu décolles, ça monte. Toi tu fais pareil. Non, non, j'ai essayé juste avant. Vas-y, essaye. Je vous jure, bah, parce que moi je sais pas jouer avant vous, maintenant je m'en fous des microbes, regardez. Si je m'applique, hein. Dans l'autre sens. Non. Ah bah voilà, c'est dans notre sens. Mais non, c'est pas notre sens. Non, non, c'est pas dans notre sens. Non, 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 pardon. Essayez, pour que l'être... Non, mais pour montrer ce que c'est le commun des mortels devant une flûte de Pan, allez-y, pour qu'on comprenne. Et c'est là qu'elle te sort le truc. Voilà, donc là, on mesure le talent. Non, mais essayez. Ah, tu vois. Un petit air connu. Tu vois. Tu vois. Ok, alors maintenant, on me dit... Je rappelle à ceux qui nous rejoignent pour comprendre ce que j'essaie de vous faire vivre. Alors moi, j'aurais aimé être là. Dans votre existence, j'aurais aimé être là le jour où vous touchez un piano pour la première fois. J'aurais aimé être là le jour où vous touchez une guitare pour la première fois. J'étais pas là. Par contre, je pourrais dire j'étais là le jour où il a touché une cornemuse pour la première fois. Mesdames, messieurs. D'accord. Mais on pourrait dire, on était là le jour où il a touché pour la première fois une cornemuse. Alors, d'abord, je pense que quelque part, je ne sais pas ce qu'on peut faire de ça. Non, à mon avis, ça ne doit pas s'enlever, ça. Attends, non. Ce que j'ai compris, par contre, c'est que les notes, elles sont là. Ouais. Et pour gonfler le truc, c'est là. Ouais, d'accord. On peut l'encourager, s'il vous plaît. Bon courage. Mais... Ah oui, attends, il faut que tu le coises. Non mais ça c'est pour quand on appelle les bateaux, tu sais, quand ils sont perdus. Écoute, c'est très intéressant, mais écoute, je vais m'entraîner. Et on puis pourra dire on y était en tout cas. Et je vais rassurer votre public dans ce nouvel album qui est déjà disque d'or. Il n'y a pas de cornemuse, c'est un nouveau monde de David Hallyday. Mais tous les autres instruments, c'est lui. Véronique. Alors donc, on vous a laissé tout à l'heure dans la narration de votre parcours, de votre itinéraire, au moment où effectivement vous faites ce succès, le jeune Fabre, et puis vous retournez dans la vraie vie pendant un temps.
Parce qu'à ce moment-là, vous pensez que c'est fini? Ah ben voilà, que ça a été une formidable aventure, c'était superbe. Et puis je reprends mes études, ma petite vie normale, sympa. Donc, le sport, tout ça. À quel moment ça commence à revenir en fait, dans votre vie, ce métier? Parce qu'on m'a proposé, j'ai reçu un coup de téléphone du théâtre de la Comédie de Genève, un metteur en scène qui s'appelait Richard Vachou, et qui me demande de venir passer en fait, une audition pour jouer Agnès dans l'École des femmes. D'accord, donc là vous avez quoi, 16-17 ans? Là j'avais 16 ans, même pas. Oui, c'était après quelle est Mimi. 16 ans. Et donc effectivement... Vous êtes à ce moment-là, il faut faire un choix très particulier. Le public n'imagine pas. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu le début de l'émission que vous venez d'Annecy. Mmh. D'accord. Et là, il faut décider oui ou non d'habiter à Paris. Vous prenez cette décision. Ça, c'est quand on m'a proposé de jouer Paul et Virginie, en fait. D'accord. Paul et Virginie, c'était partir à l'île Maurice pendant 3 mois et demi. Et ça tombait en même temps que la rentrée des classes. Donc j'avais d'un côté mon bulletin d'entrée en première à 4 et de l'autre côté la perspective de partir à l'autre bout du monde, incarner Virginie. C'était très dur pour elle de se séparer de sa jument à ce moment-là. Maudit, ça a été finalement un traumatisme de laisser sa jument, ses parents, de laisser toutes ses attaches. Et traumatisme à quel point? Mais laisser l'école aussi. J'aimais beaucoup l'école en fait. C'est un véritable traumatisme et elle a perdu ses cheveux en une nuit. Mais justement, quand on me dit à quel point c'était traumatisant, on me dit en une nuit, elle a perdu des cheveux. En une nuit, j'ai perdu, sur l'équivalent d'une pièce d'un franc à l'époque, j'ai perdu mes cheveux. Et ça n'a jamais repoussé. Donc le corps c'est qui réagit, nerveuse. Le corps réagit sur un choc nerveux, oui. Une décision importante. Réagit. Et puis, vous en avez parlé dans votre livre, parce que là, on se dit, c'est merveilleux, on raconte ça avec le sourire. Mais à 21 ans, vous êtes obligé d'affronter une épreuve de la vie. Oui, voilà. J'ai un cancer borderline qui s'est déclenché. Donc, on est en train de raconter un parcours comme ça, qui est juste enfance heureuse, le succès tout de suite, tout se passe très naturellement, on prend des décisions. Puis d'un coup, il y a ça. Vous en parlez dans votre bouquin, pourquoi? Le propos du livre n'était pas du tout de parler de moi, en fait. Au départ, le livre était la deuxième partie, c'est-à-dire la rencontre avec les enseignements bouddhistes et la mise en valeur et la présentation de ces femmes magnifiques que j'ai connues en Inde, au Népal et au Sikkim. Et puis... chez Michel Lafon, ils m'ont dit oui, mais pourquoi en fait les enseignements? Pourquoi le bouddhisme? Comment et tout? Mais j'ai dit, mais ça, j'ai pas envie d'en parler. C'est à un moment de ma vie, j'ai découvert quelque chose qui m'a complètement en fait, qui a été une révélation et qui m'a permis de passer une étape et de passer dans la dimension en fait nécessaire à cette époque. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je parle de ce moment-là. Ce livre a été fait comme pour un. Dans le sens que c'était un partage, le partage d'une expérience qui pouvait profiter à d'autres femmes qui étaient dans la même situation. Et parce que j'ai eu envie aussi de parler des enseignements bouddhistes et de toutes les fausses interprétations qu'on a de cette philosophie. Bon, voilà. Ça a été vraiment le propos de ce livre. En aucun cas une thérapie, un partage. Ce que je voulais qu'on raconte, c'est qu'effectivement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, qui est cette espèce de parcours assez incroyable. 21 ans, vous affrontez un cancer très, très grave. Et puis, vous avez dit, parfois, ce métier m'a sauvé de plein de situations. Et vous avez raconté votre rencontre avec Alain Delon, un tournage ensemble. Oui, parce que je venais d'être opérée, enfin, il y avait très peu de temps, que j'étais en pleine chimiothérapie et que c'était dur. Et qu'en fait, on est dans le Toubib. Voilà, on était dans le Toubib. Mais il ne savait pas que j'étais malade à ce moment-là. En fait. Et il l'a découvert quand j'étais raccord sur toutes les scènes. Mais j'avais malheureusement le teint qui se brouillait et tout, donc c'était un petit peu... Et un jour, il est venu vers moi, il m'a dit, écoute, faut que je te parle. Il m'a dit, attends, il y a ton teint qui vire, on te maquille 2 fois par jour ou 3 fois, qu'est-ce qui se passe, t'as tes règles ou quoi? Je lui ai dit, non, voilà, j'ai eu ça. Et il a été tellement, en fait, je crois, scotché par... Il attendait tout, sauf ça. De la part d'une gamine de 21 ans. Ben voilà. Et il m'a dit, bon, ben maintenant, je sais. Et le demi-tour, il est reparti dans sa loge. Il a veillé sur elle d'une certaine façon, mais en même temps en gardant une exigence, ce qui l'a forcé à se battre, qui est la nature profonde de Véronique, de combattre. Et après, il m'a pas du tout ménagé, au contraire, mais il a été formidable sur le film. Très, très protecteur, très paternaliste même. Bon, et puis il y a eu ce dont on vous parle tous les jours dans la rue, vous le savez, cette assistante sociale que vous incarnez pour la télévision, qui est un record d'audience. À l'époque, vous avez mis 40%, vous appelez, des chiffres qui n'existent plus aujourd'hui. On parlait de l'industrie du disque. Oui, mais il n'y a pas non plus le même nombre de chaînes. Il faut rendre à César ce qui est à César. Bon, en tout cas, énorme succès. Là aussi, il n'y a pas de hasard, c'est le public qui décide. Et donc, il y a un truc qui se produit comme ça, il y a un scénario, une histoire. Pareil, voilà, quand on parle d'identification, c'est qu'en fait, c'était, je correspondais aussi à ce personnage, que je dégageais quelque chose, qu'on dégage généralement à son insu d'ailleurs, qui faisait que voilà, ce personnage qui venait à la rencontre des gens, à leur écoute, est arrivé à un moment
à un moment idéal. Mais en même temps, c'est vrai que ce feuilleton ressortirait aujourd'hui. On change un peu les vêtements, les voitures, et il serait totalement d'actualité. Il était très en avance sur son temps. Alors, on ne va pas pouvoir dire tout, évidemment, parce qu'on fait des ellipses. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui n'avait pas voulu être actrice, donc il y a ses succès à la télévision, colossal, c'est dans l'inconscient collectif, des succès au cinéma, les marches de Cannes en 86. Et puis pour quelqu'un qui n'avait pas du tout prévu d'être chanteuse, elle a aussi fait des tubes dont on se souvient tous. Oui. Vétérinaire et qui fait tout ce succès. Prof d'anglais, vraiment, ça m'agace. Voilà. Ça et puis quelqu'un qui n'a pas du tout prévu de faire de la chanson. Non. Et qui fait des tubes que tout le monde connaît, et tout le monde se regarde d'applaudir et tout. C'est pareil, c'est comment vous, quel regard vous portez là-dessus? Mais moi, je me dis que j'ai une chance folle et que je fais des rencontres avec des personnes formidables. Et puis Bachelet, Laurent Voulzy, il y a eu des auteurs, quoi. Je dirais, ce sont des équipes, moi, qui font... On ne fait jamais quelque chose tout seul. Bon, en tout cas, vous êtes dans la vitrine et c'est de vous qu'on se souvient. Donc, il n'y a pas de hasard. Véronique Zano, en tout cas. Alors... C'est vrai que je disais en début d'émission que vous êtes tous les deux un peu mystérieux. Vous avez l'air tous les deux très sages. On découvre que vous l'êtes moins que ce qu'on croyait, évidemment. Il y a un autre paradoxe que vous avez vécu, puisque c'est vrai que les gens vous connaissent mal, mais finalement, dans les interviews, on vous parle plus souvent de vos parents que de vous. C'est un peu ce qui se passe souvent. Ouais, des fois, ça m'arrange, c'est mieux. C'est ça, ça permet de ne pas parler de soi. Oui, d'ailleurs, à force de parler de sa famille et pas de lui, les gens le connaissent vraiment mal. La particularité de David, c'est qu'il est en train de se révéler en ce moment. Tu l'as décrit tout à l'heure à travers son nouvel album, mais depuis longtemps, il est lui-même. Mais le regard général sur lui ne correspondait pas à la réalité. Donc effectivement, il y avait un décalage entre l'image qu'on avait de vous et ce que vous étiez vraiment, d'accord ? Parce que les gens ont l'impression de vous connaître depuis toujours, mais finalement, sans vraiment s'intéresser beaucoup à vous. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un paradoxe, c'est qu'évidemment, le public imagine spontanément, enfin a imaginé il y a longtemps spontanément, que ça avait été fastoche pour vous, en fait. On se disait, ben voilà, c'est facile, vous avez un carnet d'adresses, etc. Et là, c'était un vrai paradoxe, honnêtement. Parce qu'en fait, en France, les maisons de disques ne voulaient pas de vous forcément tout de suite. On peut dire ça comme ça. Ah non. C'est-à-dire... Non, c'était pas d'actualité, non. C'est pas question que je vienne. Et il fallait... Moi, quelque part, ça ne me dérangeait pas beaucoup parce que j'étais, à cette époque-là, beaucoup plus américain dans l'âme que je ne suis aujourd'hui. J'ai toujours cette petite partie, évidemment. Mais à l'époque, c'était, je connaissais mal la France. Donc, c'était pas un problème de ne pas venir ici bosser. Donc, mon beau-père m'avait dit, écoute, on veut pas de toi là-bas. Je fais, bon, bah, c'est pas grave, je vais rester ici. C'est pas un problème. Et donc, on a sorti un album là-bas qui rentrait dans le top 30, là, gars. Et tout d'un coup, on s'est intéressé à moi ici, donc je suis venu en 86 pour prendre un petit peu mes repères et j'ai commencé à j'ai sorti mon premier album en France en 87. On pense qu'il est là grâce aux parents et il est très fier de dire qu'il a tout fait tout seul. C'est quelque chose de très important. Oui, c'est ça, parce qu'encore une fois, comme les gens ont l'impression de vous connaître et puis que vous portez un nom pour le public, qui est un nom qu'on connaît moi depuis que je suis né, etc., il y a une sorte de sentiment comme ça, une sorte de j'ai envie de dire, de quiproquo, où les gens imaginaient que tout avait été simple et que ça s'était fait tout seul. Et vous savez, je pense que dans la vie, si tout était aussi simple qu'il ne paraisse, je veux dire, ça se saurait. Hein.
Puis on s'imagine toujours que c'est ou tout noir, la vie, c'est ou tout noir ou tout blanc, et c'est jamais comme ça en fait. C'est la vie, il y a des changements, il y a des coups durs, ça s'appelle l'expérience. Voilà, on te décrédibilise, tu te bats pour exister et pour continuer à faire ton métier, parce que tu te bats pour ça d'abord. Mais prenons la réalité des choses, tout est difficile pour tout le monde. Bien sûr. C'est pas là de dire oh là là, qu'est-ce que c'était dur. C'est vrai, c'est dur, mais pour qui la vie n'est pas difficile, hein, franchement, vraiment. Donc effectivement, ce que je voulais rappeler moi, c'est que quand vous faites vos tubes aux États-Unis, les gens connaissent pas Johnny Hallyday. Donc non. Le public aime les tubes, effectivement. Et ici, c'est un peu la même chose que quand le public achète des disques, ils n'achètent pas de disques parce que vous êtes le fils d'eux, mais si vous trouvent sympathique. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est parce qu'ils aiment les titres. Donc c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Enfin, comme ça, quand on se dit, ben voilà, c'était fastoche pour lui. Donc ça, c'était la première chose qui était dite. La deuxième chose, c'était que, effectivement, Johnny Hallyday, le monument, la légende, etc., c'est votre père, vous avez fait un album avec lui. Pareil, qui était son plus gros succès, ça c'est quand même pas rien dans une existence, c'est-à-dire d'écrire un album pour son père et de se dire, bah, dans sa carrière incroyable, c'est son plus gros succès, c'est moi qui l'ai écrit. Mais vous savez, j'ai toujours rêvé de faire des choses avec lui, parce que c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un de fascinant par sa complexité de personnalité, et je pense que c'est ce que les gens trouvent touchant chez lui aussi, il y a plein d'imprévus avec lui, et quelque part c'est ce qu'il y a beau chez quelqu'un, je trouve, quand les choses ne sont pas planifiées, c'est de l'instinct pur, il y a un instinct un peu animal, et les gens le ressentent, ça. C'est pour ça que moi je prends toujours beaucoup de plaisir de bosser avec lui, de faire des choses. Frédéric, il faut savoir que David et son père ont des rapports un peu complexes, ils s'observent comme deux personnes sur un ring, mais qui veulent pas se faire de mal. Alors vous allez souvent dire, on me dit, ce sont presque, ils sont en observation, ces deux hommes, ces deux êtres humains là. C'est-à-dire que quand t'as, je veux dire, dans, au sens figuré évidemment, quand t'as deux animaux en face, l'un en face de l'autre, c'est même si c'est de la même famille, c'est il y a des choses intéressantes qui se passent quoi, dans le regard, dans d'autres choses. Et moi j'adore ça. J'aime bien quand on se titille un petit peu, ouais. Ça fait ressortir des choses intéressantes. Quand David a joué avec à Lyon, allumer le feu, il a jeté les baguettes dans la salle et une des baguettes est rentrée dans l'œil d'un spectateur. Et justement, Johnny ne savait pas trop comment lui dire qu'il fallait plus jeter les baguettes, quoi. Mais là, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, on voit deux artistes accomplis, mais enfin, c'est quand même un père et un fils, donc on a un rapport de père-fils. Qu'est-ce qui vous dit quand vous jetez une baguette dans les yeux d'un spectateur à Lyon? Quelle horreur. Ah oui, non, ça, je le refais plus. C'est-à-dire, vous êtes à la batterie, c'est ça? J'étais avec mon père au Parc des Princes pour les 50 ans de mon père, et il m'avait demandé de venir jouer un morceau de batterie avec lui, et j'étais super content. Et dans l'élan après... Après avoir fini, tu sais, t'as le buzz du truc, t'es chaud, tout le monde est chaud et tout, et puis tu dis, ouais, enfin bon, je suis pas trop gouré, c'est sympa, j'ai fait un truc avec lui, on se regarde, il y a un truc, tu t'es super excité, je me lève et je prends mes baguettes et je fais, waouh. Et là, c'est quand même un bout de bois qui est comme ça, une baguette de batterie, tu vois. J'adore le public. Et comme la salle est super, et comme le stade est super grand, je l'ai jeté super fort, et le truc a fait comme ça, et c'est tombé à... Et ça aurait pu lui crever un œil. Voilà, donc depuis maintenant, je les lance comme ça. Lancer les baguettes. J'imagine les temps dans lequel on est quand on joue devant un stade entier, quoi. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Ouais. Je vais vous faire écouter trois chansons. D'accord. La chanson en question, vous allez voir, c'est Noir, c'est noir. Vous allez me dire quand il s'agit du vrai Johnny Hallyday ou d'une imitation, pour voir si vous avez l'oreille plus que nous. Ok. D'accord. Alors on écoute. Première chanson, Noir, c'est noir. Oui, noir, c'est noir. Oui. Il n'y a plus d'espoir. Bon, c'est vrai. On l'applaudit très très fort. C'était au Stade de France en 2009. Une autre version, Noir c'est noir, vous nous dites si c'est le vrai ou si c'est quelqu'un qui l'imite. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Non. Oui, gris c'est gris. Non. Non. Ça doit être Laurent Gérard, ça. Non, c'est vrai. Il n'y a pas que lui qui imite. Non, je suis sûr, mais je sais pas, mais c'est pas lui en tout cas. Bon, on essaye une autre. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Vous avez douté un peu, non? Non, c'est lui. C'est vrai. Bonne réponse. Vous avez trois bonnes réponses. Vous n'arrêtez pas de...
de parler de Laurent Gérard. Et effectivement, celui qui a chanté au milieu, c'était Laurent Gérard. D'accord, qui est quand même juste quoi, le meilleur, vous pensez, pour vous? Ah ouais, c'est clair, il est super doué. C'est the best. Incroyable. C'est le best of the best. Incroyable. Allez, on regarde un extrait. Pour moi, en tout cas. Un extrait de son spectacle, c'est vrai que c'est la régalade. Je suis dans le noir. Et j'ai du mal à croire. Incroyable, hein? Incroyable. Au cri de l'ennui. Et je te crie, wow, wow, wow. Je ferai-tu pour sauver notre ami? Jusqu'au but. Si un mot peut tout changer, je le trouverai. Pour l'instant, on a la vérité. Pourquoi en douter? Merci beaucoup. On l'applaudit très très fort. Incroyable. Incroyable. Vous le trouvez incroyable. J'ai vu son spectacle, je sais pas, 20 fois. À chaque fois, ça me perturbe. C'est-à-dire, ça s'est tellement il est fort hein, dans l'imitation. Quand il regarde l'émission, il va rougir un peu hein, de voir tout ce que vous dites sur lui. D'ailleurs, non, savoir ce que ça lui fait quand vous dites ça, on n'a qu'à lui demander, mesdames et messieurs, Laurent Gérard. Merci d'être là. Laurent, je vous laisse vous installer. Oh la vache, bien, bien. À côté de lui. Vous ne vous attendiez pas à le voir, David? Ah ben non, pas du tout, non. Mais ça vous fait plaisir, visiblement. Mais très plaisir, parce que c'est d'abord quelqu'un que j'ai rencontré dans des circonstances assez rigolotes. Dites pas ça, parce qu'on va vous poser des questions. Bah, tu peux, non, mais il n'y a rien de... C'est quoi, des vacances? Mais on s'est bien marré et c'est quelqu'un de formidable, qui a un talent, tout le monde le sait, on n'a pas besoin de le rappeler. Mais humainement, moi, j'attache beaucoup d'importance à le côté humain d'un artiste. Parce c'est que pas seulement artiste, ce qu'il fait, mais ce qu'il est également. Non, exactement. Moi, je suis très attaché à ça, aux valeurs, et c'est quelqu'un qui a des valeurs et dans l'amitié et je l'aime beaucoup. Voilà. C'est vrai qu'en plus, je connaissais plus ton papa et puis on a eu l'occasion de partir en vacances ensemble grâce à un ami et puis on a passé des moments exceptionnels. On a rigolé parce que c'était au moment de l'album 100% et j'avais repris toutes les chansons qu'il avait donc écrites en faisant Jean-Paul II. C'est que vous n'aviez jamais imaginé en l'écrivant. Oui. 100% du Christ. Mais tu l'as fait, tu l'as jamais fait. Ça non, mais alors je voulais te faire une surprise que j'ai retrouvé dans les archives. J'ai fait, Johnny chante avec Benoît XVI. J'ai fait plein de duos virtuels avec ton papa. Et je pense que ça va te faire marrer. C'est vrai? À RTL, oui, je l'ai fait chanter. D'ailleurs, dans le prochain spectacle, je lui fais chanter La Bonne du Curé. Parce que j'en ai marre de chanter des chansons sérieuses. Chanter des chansons un peu drôles maintenant. Tu sais, tu parlais de... On a passé 10 jours ensemble. Et c'est vrai que j'ai jamais vu, tu sais, quand tu es en vacances... on avait fait un dîner dans un restaurant et je crois que dans les restaurants, généralement, c'était un restaurant un peu calme, un peu... Et je n'ai jamais vu... Tout un restaurant entier, mais mourir de rire en larmes. C'est-à-dire qu'on avait notre table dans un côté, il faut s'imaginer, un côté de la pièce, et tout le monde qui était là, il était un truc en couple et tout ça. Et à la fin du dîner, mais ils étaient tous en pleurs. Quoi. Et c'est la première fois que je vois un restaurant en train de mourir de rire. Et attendez, parce que donc vous avez entendu tous les compliments, ils ne savaient pas que vous étiez derrière la porte. Mais qu'est-ce que ça fait quoi d'entendre dans la bouche de David, de l'entendre dire, c'est super troublant. Quand il vous entend imiter son père. C'est vrai que d'un coup, il connaît la voix de son père depuis qu'il est tout petit. Il connaît le bruit des bottes et la voix de son père. Ça vous fait quoi d'entendre ça? Ça fait très plaisir. C'est le plus beau des compliments. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour son papa, et pour lui aussi, évidemment. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour son papa. Et je crois que ça, une imitation, ça peut être aussi un hommage. Ce qu'il a compris, d'ailleurs, parce qu'au début, il n'était pas très content. Mais bon. Il a vu que ce n'était pas dans l'intention de nuire, au contraire. Parce que, voilà, Johnny, c'est Johnny. Et c'est un personnage toujours intéressant à imiter, évidemment. Bon, en tout cas, nous, on est très, très heureux que vous soyez là. Puis lui aussi, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il est content. On ne peut rien lui refuser, vraiment. Parce que c'est vraiment un garçon délicieux. Moi, ce que je voulais vous dire... Je veux dire que vous pourrez voir
Laurent Gérard en spectacle, et vous allez pouvoir le voir de près, parce qu'il a décidé de jouer dans une petite salle à taille humaine, donc c'est au Petit Journal à Paris. Du 1er au 10 juin, d'accord. Il y aura d'autres dates dans les théâtres à travers la France. Oui. Et puis vous serez en tournée à partir du 15 octobre. Et puis vous serez à l'Olympia le 7 décembre jusqu'au 1er janvier. Voilà. Voilà, Laurent Gérard. Ah ben, je viendrai. Bah oui. Et puis, yes. Bah oui. On fera une bonne bûche. Et Laurent, juste un mot. Merci. Oui. Donc, je pose mes fiches pour pouvoir le montrer. Donc, la gauche, la droite et le centre de Tonton à Titine. Et si on retourne le livre, c'est la droite, la gauche et le centre, du grand Charles au petit Nicolas, oui. Avec beaucoup de photos de l'actualité détournées. Et puis nous, il faut qu'on se retrouve dans un bouchon lyonnais. Parce que ça a une occasion de se croiser. On s'est croisés dans un restaurant et je vous confirme. Il se passe des choses dans les restaurants. Je confirme tout ce que vous avez raconté. Laurent Gérard, merci beaucoup. Merci. Un petit mot de Johnny à part en avant, comme ça. Je vous aime. En préparant l'émission, on a découvert que vous aviez pas mal de points communs, dont un très important dans votre vie. À votre avis, c'est quoi? Tu se regardes, hein. Le sourire. Le bouddhisme. C'est pas une philosophie, peut-être, oui. Le bouddhisme. Oui, c'est ça. C'est sûr. Donc, c'est-à-dire que, du coup, moi, je vous dis la vérité, comme beaucoup de gens dans le public, au début, le bouddhisme, c'était Richard Gere, quoi. On pensait que c'était une mode hollywoodienne et tout. Et on va essayer de comprendre comment c'est rentré dans votre vie. Ben, moi, c'est rentré dans ma vie après, justement, ma maladie, et où j'avais vraiment un besoin terrible d'ajouter une dimension à ma vie, parce que mon quotidien ne suffisait pas. Et à ce moment-là, j'ai rencontré en fait les enseignements bouddhistes. Mais ça m'a tellement aidée au niveau des clés que j'ai pu entendre. Parce que jamais on donne des clés pour s'en sortir soi. Dans l'existence. En fait, dans l'existence. Qui donne un autre regard sur la vie, un autre rapport aux gens, qui vous rendent plus fort, qui vous rendent libre en fait. Vous, David, vous dites quoi? Moi, j'ai été initié par quelqu'un en fait. Parce qu'il il pensait qu'on en avait parlé, c'était dans la discussion. Il me demandait « Est-ce que tu connais le bouddhisme ?» Je lui disais « Écoute, un petit peu, mais je ne connais pas tous les détails. » Et il m'a donné, il m'a fait un cadeau, il m'a offert ce que tu portes autour du poignet. Et avec un petit livret de mantras, en fait, de mantras sacrés, qui sont comme des lectures. Et voilà, donc il m'a appris à méditer. Et donc quand j'avais un problème difficile qui me semblait insurmontable, je faisais appel à ça. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on fait, dit bah, « tiens, je vais mal, je prends un livre, bah, tiens, ça va aller mieux après ». Non, c'est quelque chose qui fait partie de sa vie au quotidien, voilà, des gens qu'on rencontre, il y a très l'écoute. Je pense que David n'a pas besoin maintenant, par rapport à son adolescence et son enfance, d'être aimé par tout le monde. C'est plus quelque chose qui compte autant qu'avant. Je crois qu'il a besoin de l'amour finalement d'un petit nombre de gens pour être heureux, et je crois que le bouddhisme l'a amené un petit peu à ça. C'est quelque chose de très sensoriel en même temps, le bouddhisme. C'est pas simplement technique, c'est apprendre à se connaître déjà. Et c'est surtout certains mots, MAU. Être de plein pied dans la vie, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser. Ici et maintenant. Ah, c'est ici et maintenant. Le seul endroit qui est rangé chez Véronique, c'est justement le petit temple qu'elle s'est fait pour méditer. Sinon, tout le reste, si vous saviez le foutoir que c'est. Ça manquait. On était sérieux, là, on était sérieux. Faites quelque chose. Bon, voilà. Alors, il y avait quelqu'un qui avait à la fois une question à vous poser. Alors, que te dire? Beaucoup de choses. En même temps, je voudrais pas te dire que j'étais amoureux de toi à l'âge de 15 ans. Bon, ça, c'est un peu banal, ça, un peu tout le monde. Et récemment, j'ai vu donc ton documentaire, tu le sais, sur les daïkinis. Et je voulais vraiment te féliciter à nouveau. J'ai trouvé ça très, très touchant, très inspirant, magnifique. Et justement, par rapport à ta recherche spirituelle, j'aimerais savoir, moi, comment tu vis au quotidien ce lien avec ton maître, Sogyal Rinpoche. Comment tu vis au quotidien cette recherche spirituelle? Voilà, ce qu'elle t'apporte et comment tout ça se manifeste. Voilà. On peut remercier Bernard Campan. Formidable, Bernard. Qu'est-ce que tu fais?
Ils vont te poser une question en disant mais comment tu l'appliques dans ton quotidien. Alors on va partir du quotidien, de situations qu'on vit tous. Et on va faire un petit test de bouddhisme, on appelait ça comme ça, j'assume la formule, vous allez comprendre. Des situations qu'on a tous vécues, qu'on vit tous, savoir comment vous réagissez, puisqu'on rappelle quand même les quelques préceptes du bouddhisme. Hein. L'idée c'est ne pas voler, ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas avoir d'attitude immorale, ne pas consommer de boissons enivrantes, ne pas critiquer, ne pas médire pour se mettre en valeur, ne pas s'admirer en méprisant autrui, ne pas être avare, avide, ne pas se mettre en colère, je pense qu'on va beaucoup jouer là-dessus. Ne pas être passionné, ne pas blasphémer, ne pas critiquer les trois trésors. La surtout colère la avec colère. Véronique Jeannot, si vous prenez une baffe en plein tournage, je peux vous dire qu'elle est, elle est, c'est une vraie baffe que vous c'est, prenez. Voilà, exactement. On est là pour ça. Vous, ils vont nous donner leur version et vous nous donnez la version que vous imaginez. Alors voilà, c'est parti. Première question. Vous jouez une finale de Coupe du Monde de football. Vous marquez le but victorieux de la main. L'arbitre valide le but. Que faites-vous? Quoi? La tête, la main, c'est pareil. D'accord. Donc c'est pas très moral, mais qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Parmi papiers, vous imaginez l'enjeu. Entraîner dans le jeu. D'accord. Peut... Ils sont honnêtes. Ah, il faut arrêter d'être hypocrite. Je veux dire, bon, là-dessus, faut arrêter les hypocrites. C'est le boulot de l'arbitre de voir la main. Bah voilà. D'abord. Et s'il l'a pas vu, faut quand même à un moment donné qu'on pense à mettre dans la vidéo. C'est beaucoup plus simple. Bon, une autre situation. Mais là, ils sont honnêtes, hein, d'accord. Vous mourrez d'envie de manger un croissant. Vous avez mais pile le compte hein, dans votre poche en termes de monnaie. Et devant la boulangerie, un SDF vous demande de lui donner une pièce. Que faites-vous? Moi, je vais acheter le croissant et j'en donne la moitié. Bonne réponse, on confirme. David, faut répondre avec honnêteté. J'aurais répondu exactement la même chose. Okay. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est, je vous crois. Je veux pas te dire autre chose. C'est vrai, j'aurais dit ça. Je vous crois. Regardez. Alors, attention. Il se trouve que vous êtes au courant que votre compagnon ou votre compagne vous trompe. Il se trouve qu'au même moment, un ex ou une ex vous relance. Qu'est-ce que vous faites? Œil pour œil, dent pour dent pour Véronique. Ça dépend. Ça dépend si t'aimes la personne ou pas. Je crois que ça dépend de l'attachement qu'on a à la personne qui vous trompe. D'accord. Si on est... voilà. Bah, je sais pas, ou alors si c'est venir. Sérieux ou pas de l'autre côté, et puis si l'ex. Je crois qu'elle lui ferait payer d'une façon ou d'une autre. Bon, on me dit, moi, je suis sûr qu'elle se débrouillera pour lui faire payer d'une façon ou d'une autre. C'est le pas. Voilà, ça peut bon, être ça aussi. Allez, une autre situation. Vous avez prêté 2000 euros à un ami de 20 ans, hein, qui refuse de vous rembourser. Vous faites quoi? Bah, qu'est-ce qu'il y a à faire? Pas grand-chose à faire, hein. Lui en prête 1000 de plus. Il faut prendre son mal en patience, se dire qu'on aurait peut-être pu lui en prêter plus. Et puis, C'est ce qu'on vient de me dire. C'est ça la vision. Et vous? Ben moi, la question ne se poserait même pas. Je n'aurais même pas demandé de me rendre. Quand tu prêtes, tu donnes. Moi, c'est mon analyse. Ne dis pas trop fort à la télévision. Okay. Non, ou tu prêtes, tu décides de ne pas prêter. Mais ça, bon, si tu prêtes, tu donnes. Ok, allez, une autre situation. Un policier vous propose de faire sauter toutes vos amendes, tous vos PV à vie. Si en échange, vous lui fournissez quelques renseignements sur votre voisin qui fait des trafics un peu louches. Ah non, je préfère faire attention à la vitesse à laquelle je roule. D'accord. Donc vous ne livrez pas les informations, tant pis si vous avez des PV. Ah, si c'est un voisin que je connais pas, non, j'ai... Bon, bon. On vous avait dit, c'était tordu comme situation. Oui, c'est tordu. David? Bah, depuis que j'ai fait le Drucker avec l'engin d'armerie, je dis que non, je bouge pas. Ouais. Ok. Allez, une dernière situation. Vous cherchez désespérément une place de parking pour vous garer depuis un moment. Hein. Une place se libère devant vous. Vous vous apprêtez à manœuvrer pour vous garer, mais un automobiliste vous chope la place. Ou ça, j'aime pas ça. Moi. Sous le nez. Oh, non plus. Comment ça réagissez-vous? Ça m'est arrivé une fois, j'ai mis un coup de pied dans la portière. Dans la portière. Ah non, j'aime pas ça du tout. Coup de boule. Je peux sortir de la voiture. Ouais. Bon, ok. Ils sont super honnêtes. Merci. Non, mais c'est intéressant parce que moi, je trouve que ça vous rend encore plus sincère sur le bouddhisme. D'abord, parce que vous avez expliqué comment vous êtes arrivé au bouddhisme. C'est pas par hasard. C'est souvent pour surmonter des épreuves. Et puis, c'est la preuve que sinon, on est de simples humains. C'est ce que vous avez raconté à l'instant. Bah oui. Donc, on a parlé effectivement du bouddhisme, ses voyages, ce documentaire, et puis une association que vous avez créée en 2005, qui s'appelle Graines d'Avenir, dont les coordonnées s'affichent en bas de l'écran. Et vous êtes présidente, on m'a expliqué en préparation que vous êtes ultra impliquée, et puis il y a des effets très concrets. Elle fait quoi cette association?
Alors, elle aide, elle cherche des parrains pour parrainer des enfants, que ce soit en Inde ou Sikkim, au Népal. Donc, dans des enfants tibétains. Tous les lieux d'exil, des enfants tibétains. Qui sont en exil. Qui sont en exil. On aide à construire des écoles, restaurer des monastères. Il faut savoir que les monastères, ce n'est pas seulement religieux, c'est des endroits où les enfants peuvent être éduqués. Et puis, ils choisissent de rester moines ou pas. Les nonneries, pareil. Donc, on restaure, on reconstruit des nonneries, des monastères. On aide des écoles, des constructions vraiment total en fait, et on intervient sur des problèmes ponctuels aussi, comme en ce moment malheureusement le tremblement de terre dont on parle pas beaucoup je trouve aux informations, mais qui reste un problème terrible au Tibet, parce qu'il n'y a pas 2000 morts comme il était annoncé, mais 5000 au moins, qu'il y a 10 000 blessés, que l'aide internationale n'est pas trop souhaitée là-bas, et que les camions que les Tibétains essayaient d'acheminer vers le lieu du sinistre sont bloqués de peur d'une émeute. Alors c'est vraiment une situation, on ne peut plus, critique et terrible ce qui se passe. Alors quand on parle de ça, c'est pas d'un problème géopolitique dont on parle, c'est qu'il y a des êtres humains que vous avez rencontrés. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez parler de quelques personnes comme ça qui vous ont marqué, que vous avez à l'esprit dès qu'on parle de ça? Oui, je parlerai de Jetsun Pema, qu'on voit d'ailleurs en photo, qui est, je dirais que c'est ma mère spirituelle. C'est une des plus belles rencontres de ma vie. Cette femme est quelqu'un d'absolument magnifique, de générosité, d'intelligence, d'élégance, C'est la sœur du Dalai Lama. C'est la sœur du Dalai Lama. Elle est juste magnifique. Et on m'a dit que vous aviez une filleule. Oui, je parraine 3 enfants et j'ai une filleule qui s'appelle Migmar. C'est un peu plus qu'une filleule, c'est vraiment une vraie rencontre humaine. Et que j'ai rencontrée il y a maintenant 2 ans et dont je suis tombée totalement amoureuse et qui un jour, j'espère, sera ma fille. D'accord, et on la voit. Donc c'est vrai, qu'est-ce que vous faites pour elle, pour qu'on comprenne? Ben j'envoie évidemment de l'argent tous les mois et je lui écris beaucoup, je suis beaucoup en contact avec elle par mail. Je l'emmène en vacances, je lui ai fait découvrir la mer et je lui ai appris à nager cette année. Et c'est un trésor. Ça a été un immense cadeau, c'est l'arrivée de cette petite fille dans ma vie. Elle a un message pour vous. My dearest mom Veronique, how are you? Thank you very much for giving me precious love. I miss you very much. You know, here I'm doing my study very hard and now I'm first in my class. I feel very happy when I remember that we both are going to make a great team to help others. I know that you are working hard because of me. Take care until we meet again. I love you very much. Bye bye. Oh là là. Migmar, elle s'appelle. Alors, il y a une particularité, c'est que Micmar, lorsqu'elle écrit à Véro, elle rajoute le nom de famille de Véro derrière, donc c'est Micmar Somo Jano. Elle rajoute son nom. Donc, on me dit, quand elle vous écrit, en plus, elle rajoute votre nom. Ah oui, non, mais elle m'appelle Mum maintenant. Donc, Mum, c'était un mot que je pensais jamais entendre, en fait. Dans Maman. Maman, en anglais. Et c'est magique. C'est extraordinaire. Pour que les gens comprennent d'ailleurs ce que vous venez de dire, c'est que la maladie dont on a parlé quand vous aviez 21 ans, c'est qu'on vous a annoncé... Oui, m'a privé à l'âge de 22 ans d'être maman. Oui. D'accord, donc on peut comprendre effectivement le lien qu'il peut y avoir avec cette petite fille qui vous dit en anglais, et qui, paraît-il, s'appelle Migmar Jano. C'est elle qui le met tout seul spontanément. Migmar Tsumo Jano, elle signe maintenant. Donc voilà, donc c'était pour parler de cette association. On revoit les coordonnées, si vous voulez, bien en bas de l'écran. Comment vous avez fait ça? Ça, c'est la magie d'Internet. Et je félicite les collaborateurs qui l'ont joint. Et c'est vrai qu'on les applaudisse aussi. Et bien, applaudissements de Mar. Alors, David, en préparant l'émission, on m'a dit, voilà, vous l'avez compris, c'est un excellent musicien. Quand il fait les choses, il les fait bien. Sauf à la flûte et à l'harmonica. Et on me dit, même le tennis, quoi. Quand il joue au tennis, il rigole pas. Je rigole pas, que David fait un stage Bolitieri à côté de New York parce qu'il voulait être tennis professionnel. Bon, vous êtes modeste, mais enfin vous avez été 40e en Californie, on m'a dit, 40e joueur. Oh, mais c'est il y a longtemps. D'accord, mais c'était pour de bon, quoi. Là, c'était pour de bon, ouais. Ouais. Tennis, ping-pong aussi. Ah, tout ce qui est une raquette, voilà. Je suis assez habile. Alors, une autre anecdote qui nous vient de Los Angeles, regarde. T'as pas une table de ping-pong qui vient? Vous allez voir, c'est mieux que ça, regardez. D'accord. David, j'ai une question. Est-ce que tu es bon perdant au ping-pong, par exemple? Quel oui, non
Alors, question de Michael Martin. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent depuis le début de l'émission, il est à Los Angeles. Et donc, le public le connaît comme un grand comédien. Lui vous a connu tout petit. Regarde dans les yeux, regarde le plaisir qu'il a posé cette question. Regarde. Mais pour qu'on comprenne son plaisir, est-ce que vous pouvez raconter l'anecdote à laquelle il fait référence? Alors, mes parents louaient une maison à Saint-Cyr-l'Élec. Je dis bonjour à ceux qui sont dans le coin, près du Castelet. Et tous les ans, on allait là-bas et il y avait une table de ping-pong et on joue au ping-pong. Et c'est vrai que cette fois-ci, je le battais à chaque fois. Sauf cette fois-là, il m'avait battu. Mais pendant le jeu, il m'avait tellement énervé parce qu'il me narguait. Il me disait « Ah, t'es nul. » Et je l'ai très, très mal pris. J'ai très, très mal pris. On dit quel âge vous aviez, histoire qu'il y ait prescription. 9-10 ans, ouais. Ouais. Donc, vous l'avez tellement mal pris? Eh ben, écoute, je l'ai tellement mal pris que je l'ai mis une baffe. Il s'en rappelle. Et le mec, pauvre, c'est une star internationale, mais il n'a pas oublié. Et le pauvre, il a porté les marques et j'en ai pleuré. C'était une bonne. Mais il nous a raconté l'histoire, bien sûr, au cas où il ne s'en souviendrait pas. Et il précise, il s'en est tellement voulu que je faisais ce que je voulais ce jour-là. Je dis, tiens, un jus d'orange. Il en a bien profité. Ouais, c'est clair. Fred, il faut que tu saches aussi qu'il a deux métiers. Le sport automobile et la musique. On me dit, il a deux métiers, le garçon qui est ici. Bon, musicien, on le sait, mais il y a aussi pilote automobile. C'est un peu une passion, quand même. Oh, c'est une passion, oui, depuis longtemps. Ouais. Depuis très longtemps, donc vous avez tout fait. On me dit que vous êtes passé du karting jusqu'au grand tourisme, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais enfin, on me dit que c'est vachement bien, trois fois les 24 heures du Mans. Ouais. D'accord. Donc, vous avez une explication sur ce sport automobile ou pas? Oui, mais c'est... Comment c'est, vous expliquez cette passion? J'ai toujours aimé la compétition. C'est un moment pour moi d'être seul et de ressortir de mon environnement, de côtoyer un autre monde. Et puis de me mesurer avec d'autres. J'ai toujours aimé ça. Et puis moi, j'ai remarqué juste que c'est quand même juste la même passion. Enfin, il y avait quelqu'un d'autre qui avait la même passion que vous. Mon oncle. Et puis Steve McQueen. Oui, Steve McQueen. Parce que les gens se demandent pourquoi. Que... Ouais. Oui, mais les gens se demandent pourquoi on parle de Steve McQueen. Steve McQueen, parce que ça a été un modèle un peu pour moi très jeune. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai grandi aux États-Unis et c'est une photo géniale d'ailleurs. Et c'est quelqu'un, voilà, je me suis dit, j'aurais bien aimé qu'il soit mon grand frère, voilà, m'apprendre la moto. Je rêvais, il faisait du sport automobile, c'était la grande époque d'Hollywood, c'était les films américains, tout ça, ça me faisait rêver. Et j'ai toujours trouvé que c'était quelqu'un d'assez sensible, mais en même temps très très fort, qui pouvait parfois être dur, donc il y avait ce paradoxe. Chez lui, que j'aimais beaucoup, comme j'aime chez les gens. C'est, j'aime pas les gens où... J'aime bien les gens un peu compliqués. D'accord. Donc en fait, Steve McQueen, je sais pas si vous avez bien compris, c'est que c'était une idole, c'est une jolie formule, mais comme tous les ados ou les enfants réservés, ils ont leur petit monde à eux. Et dans son monde à lui, ce gars aurait pu être votre grand frère ou votre père. Enfin, il y avait un truc très très fort, un lien très très fort avec cette idole. Hein. On peut dire ça comme ça. Ouais. Bon. Et moi, je comprends pas très bien pourquoi vous racontez ça. Ça, c'est la version officielle, parce que vous l'avez assez maltraité, Steve McQueen. Ah bon? Ouais, regardez. Ah bon, dis-moi. Encore vous avez oublié quelque chose? Donc, vous ne vous souvenez pas que vous étiez là il y a une minute? Non. Enfin, si c'est une blague, c'est vraiment pas drôle. Bon, allez, monsieur, il va falloir y aller maintenant. Je suis venu de très loin. Bon, écoutez, restons calmes, j'ai beaucoup de travail, je dois rester seul dans ce bureau. Moi aussi. Bon, j'ai compris, on part à zéro. Je vais vous prescrire 2-3 petits médicaments. Alors... Deux matins, deux midi, deux le soir. Merci beaucoup, au revoir. J'en partirai, ce soir. Pas ce soir. Vous prenez cette ordonnance et vous quittez mon bureau immédiatement. Et que je vous vois plus ici, vous. Alors là, vous faites vraiment de ma gueule, sortez d'ici, sinon j'appelle les flics. Ah d'accord. Ça t'a plu? J'adore. Là je pense que Frédéric, tu as fait fort parce que je pense que ça aurait été probablement un de ses vrais rêves dans sa vie de tourner une scène avec Steve McQueen. Donc confirme que voilà, tourner une scène et donner la réplique à Steve McQueen, ça a pas été, la vie n'a fait en sorte que c'était pas possible, mais nous on a voulu vous permettre de réaliser ce rêve. Je rappelle à ceux qui nous regardent que tout à l'heure vous avez accepté de me faire confiance devant un fond vert. Vous saviez pas ce que vous étiez en train de faire et non. Voilà le résultat, c'est Charles Ludon et Jimmy Arnaud qui ont fait ce travail pendant l'émission. Je voudrais qu'on les applaudisse. Bon, on parle de
On parle de l'automobile comme Steve McQueen. Donc vous avez vraiment plein de... Moi, j'avoue que j'ai du mal, il faut que je les lise. Hein. 3 fois les 24 heures du Mans. Vous avez été champion de France de grand tourisme en 2001. Enfin, plein de choses importantes. Mais alors, vous en parlez pas, mais ça, c'est aussi un autre point commun. Vous avez aussi fait des choses, vous. T'as eu du sport auto ? Oui. Avec Beltoise. C'est vrai ? J'ai fait... c'est vrai ? Oui. Ouais, c'est vrai. Dans le Star Racing Team, pendant 4 ans à peu près, on a couru. D'accord. Sur les mêmes circuits, en fait, que les pros. On avait des voitures préparées et tout. On s'est bien amusé. Hein. Bon. On avait des joujoux formidables. Alors, moi, je sais pas lequel des deux est le meilleur et j'ai envie de tester. C'est un simulateur de conduite. On applaudit très très fort. Oui, c'est très mauvaise perdante. Alors elle risque de trouver un moyen pour faire qu'elle a gagné ou que la machine marche mal. Je vous laisse me suivre tous les deux. Alors, je vous laisse vous installer. Alors ça rigole pas parce que là on n'est pas dans un jeu d'arcade. Jamais, j'ai jamais joué à ce jeu. C'est un vrai simulateur de conduite qui nous a été prêté par Prevankit, qui est partenaire de la sécurité routière et des collectivités locales. D'accord. Et vous allez conduire une voiture sur une route enneigée, c'est vrai ? Elle trouve, je vous avais dit qu'elle cherchait tous les sujets. Je suis trop loin. Je vous dis, ne cherchez pas de prétexte. Vous êtes en autre, c'est une voiture automatique. Hein. Donc vous accélérez, donc il ne faut pas sortir de la route. La route est enneigée. Mais où je suis ? Où je suis, troisième motif. Vous êtes sur une priorité à 80 km/h. Allez-y, accélérez pour démarrer. J'accélère, ça ne bouge pas. Un quatrième motif. C'est quatre excuses que vous venez de trouver, vient de me dire, effectivement. Et moi, j'ai jamais conduit sur place. Cette vitesse-là, on n'est pas arrivé. Quand tu touches, ça tourne. On me dit d'accélérer, on a 23 km/h. Mais je suis à fond. Bon, je le sens mal. Le camion, il va y aller, là. Il y en a un des deux qui va y aller. Ça me rappelle le dernier problème d'avant-service. Bien agressif et tout, c'est bien. Bon, fin de l'expérience, c'est marqué. On va mettre David et on va comparer. Vous allez nous aider à comparer. Allez-y, David. À mon avis, toi, ils vont faire un truc. Bon, elle a réussi l'expérience, elle n'est pas sortie, c'est ça, monsieur ? Tout à fait. Ok. Vous êtes sur une route prioritaire limitée à 80 km/h. Mmh. Allez-y. C'est parti. Accélérez pour démarrer. Le même camion. Il n'y a pas photo. Véronique a gagné, ça va être. On en a pour une semaine. On remercie Philippe Valls et la société Prevankit, simulateur de conduite pour la prévention routière. Merci à vous deux. Venez avec moi, tous les deux. Jacques Côté, je vous laisse deviner qui était là ce soir pour nous livrer des informations. Allez-y, Véronique. Ah bah. Y en a vous avez deviné qui était là ce soir ? À travers les anecdotes, est-ce qu'il y a eu des gens comme ça ? Bah non. Non, franchement, j'ai aucune... personne, ok. Je n'ai aucune idée. Donc ça va être que des surprises. David, à travers les anecdotes. Alors moi, il n'y a pas photo. Moi, je pense que, de toute manière, l'histoire du matelas, là, il n'y a pas 36 000. C'est ou un pote qui s'appelle Frédéric Mialot, ou quelqu'un qui s'appelle Hubert Le Forestier. C'est ou l'un ou l'autre. D'accord, on va voir dans un instant. Est-ce que vous pensez à quelqu'un d'autre? Cyril Viguier, quoi. Un pote à vous ? Ouais. Ok. Continuez. Donc c'est pas lui. Non, on verra. Moi, je propose qu'on les découvre. Allez. Peut-être Odile. Ouais. Okay. Peut-être Odile. Peut-être qui encore vite, t'as une dernière chance ? Odile avec qui je travaille dans l'association, peut-être. Jérôme. Je veux dire Jérôme. Jérôme comment ? Corpos. Je crois qu'il est là. Regardez, mesdames, messieurs, les complices qu'on applaudit très très fort. C'était vos amis jusqu'à ce soir. Est-ce que vous pouvez
un mot, une phrase sur chacune des personnes qui sont là et pourquoi vous êtes si contente de les voir. Ah mais parce que c'est ma famille, c'est ma famille de vie. Virginie, c'est ma meilleure amie qui fait du cheval avec moi, qui est une amoureuse des animaux, particulièrement des chiens, puisqu'elle est comportementaliste, c'est plus simple pour chiens. Et voilà, et on a vécu plein de choses ensemble et d'aventures, donc on partage vraiment plus cet amour-là de la nature et des animaux. Eric, parce qu'on a joué dans plein de choses ensemble, Eric Métayer, et puis voilà, c'est un ami de la vie, du cœur. Est-ce qu'il est aussi drôle dans la vie que sur scène? Il est aussi drôle dans la vie que sur scène. C'est vraiment une des personnes qui m'a fait le plus rire dans ma vie. Et puis alors Véronique qui travaille avec moi dans l'association, qui s'occupe particulièrement des parrainages et qui a fait toutes les photos du DVD. C'est elle qui a ce talent de photographe absolument magnifique et qui a fait quasiment toutes les photos qui sont dans le DVD. Alors Philippe, c'est lui. Mais alors la cave, c'est lui normal que tu t'en souviennes plus. Mais je m'en souviens pas. Mais non, j'ai jamais aimé l'alcool. C'était une fête. C'était une fête. Ah bah voilà, on voit. Merci, merci. Je l'ai emmené une fois à la foire de Paris. Parti pour acheter une bouteille, elle est repartie avec 3 caisses. Ah ben oui, mais ça c'était impossible. Ils voulaient tous me faire goûter tous les crus. Elle a goûté. Donc effectivement, j'ai goûté, je suis ressortie. C'est pas moi qui ai conduit. C'était trop gentil. Donc Philippe Monet, qui est navigateur, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc on a fait vraiment du cheval ensemble. On était toute une bande. Mais tout le monde pensait qu'il était même un peu efféminé en fait, et jamais on penserait qu'on aurait jamais pensé qu'il ferait ce qu'il a fait, quoi. Navigateur, c'est un truc de fou. Ben voilà, il était fou, il est resté. Ça s'est aggravé même, je crois. Et Nicole Jamet, avec qui j'ai joué au théâtre plein feu, et qui m'a écrit des choses formidables. On a beaucoup beaucoup travaillé ensemble. Elle m'a écrit, elle a fait des épisodes de Madame le Consul. Elle a fait Pour vos yeux, qui était son premier feuilleton aussi, qu'on a fait ensemble. Et c'est pas elle que je suis devenue scénariste d'ailleurs. Non. Elle m'a imposé. Elle m'a obligée. Oui oui. En tout cas, moi, je vois mais si elle n'avait pas eu le talent qu'elle avait, moi, je lui ai permis en fait de monter sur le cheval. Et puis après, elle avait tous les codes. Quoi. C'est donner l'occasion à quelqu'un de s'exprimer. Elle avait tout. Et d'ailleurs, elle n'a pas arrêté de faire plein de choses à succès derrière. Et voilà. J'avais dit une phrase par personne. Merci Véronique. Merci beaucoup de l'applaudir. On applaudit tous les complices. Quand je parle des gens que j'aime, je suis intarissable. C'est super. Et en tout cas, merci d'avoir donné autant d'informations sur Véro, parce qu'on la connaît un peu mieux maintenant. David, pareil, une phrase sur chacune des personnes qui sont là ce soir. Alors, Jérôme Corcos, ami d'enfance. Connu à quel âge, ouais. Alors, je crois 14-15 ans. Ouais, 15 ans, voilà, qui est toujours resté un ami. On a fait les 400 coups ensemble. Et l'histoire de la bagnole et tout ça, c'est lui, à mon avis, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Et voilà, quelqu'un que j'aime beaucoup. Et Cyril Viguier... que le public connaît, mais vous connaissez depuis l'adolescence. On ne se présente plus, parce que c'est un ami d'enfance aussi. On se connaît depuis dans ces eaux-là, 16-17 ans aussi, pareil. Un des grands professionnels du métier dans l'audiovisuel, qui a fait sa carrière aux États-Unis. Tout ça, on s'est revus aux États-Unis il y a quelques années. On a décidé de bosser ensemble. Voilà quelqu'un qui m'est très cher, que j'aime beaucoup, et qui compte beaucoup dans ma vie. Renaud Derlot. Renaud Derlot, alors qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur toi alors? Un truc sympa, trouvé. On a un petit peu toutes les périodes de ma vie là. Renaud, alors ça fait quelques années qu'on se côtoie. C'est un pilote de course professionnel, c'est son métier. Il est un petit peu trop vite d'ailleurs, ça me fait un peu chier. Moi, ces derniers temps. En ce moment là, je suis un peu derrière. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, humainement formidable, avec qui on rigole beaucoup. Voilà, et qui ressemble à l'entourage de gens que j'aime, quoi. Voilà. Oui, et puis vous savez que tout le monde n'a pas les mêmes amis depuis l'enfance, donc ça dit beaucoup des gens aussi. Je voudrais les remercier. Et puis quelqu'un qui voulait depuis tout petit. Hubert Leforestier, c'est le grand frère à tous d'ailleurs. Le patriarche. Et c'est un peu ça, tu vois, finalement, tu es arrivé à l'âge de la sagesse, Hubert, et qui m'a pas vu naître, mais presque. T'avais 10 ans. Il m'a vu évoluer à tous les âges, 6 ans 30, à
jusqu'à maintenant. Ça vous montre à quel point il est fidèle. Et je suis vraiment touché que tu sois là, parce que j'aime beaucoup cet homme-là. C'est un vrai mec. Voilà, qui a protégé tout l'entourage, la famille. Et je suis très, très reconnaissant. C'est un mec qui aurait pu laisser sa peau pour nous, voilà, et et qu'il l'a laissé d'ailleurs plusieurs fois. D'ailleurs. En tout cas, les êtres humains qui ont compté pour vous, qu'on applaudit voilà. Très fort. Ouais. Alors j'en profite pour rappeler que Éric Métayer, on peut le voir au théâtre La Bruyère du mardi au samedi jusqu'au fin juin. D'ailleurs, c'est une pièce qui s'appelle Les 39 marches d'Alfred Hitchcock, qui a reçu le Molière du meilleur spectacle comique. Donc allez-y, Éric Métayer. Je n'ai pas encore vu celle-là, mais les autres m'ont fait beaucoup rire, donc je vais y aller. On me dit que Philippe Monnet va participer à la Roue du Rhum. Vous confirmez? Donc voilà, à partir du 31. Ah oui, c'est un bon entraînement, d'ailleurs, un bon entraînement. Voilà. La Roue du Rhum, Philippe Monnet, qu'on applaudit. Et Nicole Jamet qui a écrit Dolmen 3. Parce que vous êtes un scénariste, c'est ça? De Dolmen, que le public adore. Donc voilà, Nicole Jamet qui est venue nous voir, merci beaucoup. Je rappelle que Véronique Jeannot, donc, elle vous livre beaucoup, beaucoup de choses de sa vie dans ce documentaire qu'elle a réalisé et écrit, d'Akini, le féminin de la sagesse, sur ces femmes qui sont importantes et dont on ne parle jamais dans le bouddhisme. Mais oui. Et donc voilà, et au profit, on l'a dit, mais de son association. Mais c'est pas je dirais que c'est pas seulement un sujet sur le bouddhisme, en fait. C'est, évidemment, ce sont des femmes qui sont bouddhistes. Évidemment, ça parle du Tibet aussi, ça parle de cette philosophie. Mais je dirais que c'est vraiment un sujet universel. Parce que la sagesse qui émane de ces femmes et leurs propos sont tellement juste magnifiques. Et c'est pour ça que j'ai voulu d'ailleurs les sortir dans un objet au-delà d'un DVD, mais vraiment les mettre dans un écrin. Voilà, un écrin. Donc on pourra retrouver ce DVD dans le commerce à partir de septembre. Mais dès maintenant, sur véroniquejeannot.com, on peut l'acheter par correspondance. Oui, à partir du début juin. Voilà, en tout cas, c'est un exemplaire. Dans une semaine. Et la critique a adoré. La critique est dithyrambique sur ce documentaire. Et puis, on l'a dit, David, 11e album. 11e album. 11e, ouais. Voilà. Déjà disque d'or. Donc on sait pourquoi il est heureux maintenant, on sait pourquoi vous avez le sourire. Beaucoup. Et moi, je suis heureux pour d'autres choses aussi. Aussi. Mais en tout cas, voilà, vous allez comprendre pourquoi je l'écoute. Je suis très heureux d'ailleurs, justement, d'avoir passé la soirée avec Véronique. Ben c'est un plaisir partagé. On n'avait jamais l'occasion un de plaisir, passer. C'est quelqu'un de tu es rayonnant, voilà, ça fait dans bien. La bouche de quelqu'un de pudique, ouais. Ça a beaucoup de poids en tout cas. Voilà, merci non, beaucoup. Non, mais merci. Et David, vous l'avez promis. On sait que vous avez le sens de la dérision. On va voir si vous tenez vos promesses. Donc un titre en vrai, rien que pour nous, c'est possible ou pas? Je pense que ça peut se faire. Avec des musiciens, ouais, un cœur qui boite. À l'extrait de Un nouveau monde. Merci beaucoup, David Hallyday. Comme les ailes d'un oiseau blanc qui n'a rien vu de l'univers, mes bras ne sont jamais assez grands pour aimer autant que nécessaire. Écoute ces bruits de pas. Sa démarche maladroite l'amène toujours vers toi. Comme un avion de papier n'a jamais traversé la mer, mon cœur qui traîne la patte. Si parfois tu me sens absent, moins proche de temps en temps,
cœur boite. Mais sa démarche maladroite l'amène toujours vers toi. J'aimerais avoir l'écran de dire les sentiments enfermés au fond à l'intérieur. Si parfois tu me sens absent, merci beaucoup, merci David, merci Véronique, merci les complices. On se retrouve dans 15 jours sur France 2. Merci à vous. Ouais.